Got gun, Hulk left, slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Bieber left, 75, Katie. Omaha. We're going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 194 du podcast Jean Actuel à Matéi. Très heureux de vous retrouver pour votre débrief des matchs le mardi. Nous sommes évidemment ensemble pour vous raconter tout ce qui s'est passé pendant la semaine 3. Excusez-nous, on prend l'antenne, on est en train de se demander si on était bien. Raoul a dit je suis pas coiffé. Je suis pas bien coiffé. Ouais, c'est vrai, tu n'es pas coiffé. Retour, donc je vais pas savoir. J'étais en train de remettre ma barbe en ordre un petit peu comme ça, un petit coup de brosse rapide. Et Raphaël, ça va? Tu es satisfait de ton look? Écoute, on fait avec. Hein. Bon, voilà. on assume tous. Messieurs, donc allez, tout d'abord les présentations. Raoul Villeroy à ma gauche. Hello. Directement et Raphaël Masmejean juste à côté. Salut. Bonjour messieurs. Camille Saraben est à la technique. Bonjour Camille. Salut. Le retour du londonien. On vous rappelle que le podcast Jean Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris Game On, les soirées tous les dimanches à partir de 19h. C'est encore cette année, n'hésitez pas à y aller évidemment, et on est présent une fois par mois pour animer le début de soirée. J'ai remarqué quand, messieurs, quand tu dis c'est encore cette année, c'est pas en Corse cette année, hein, de la manière dont non, tu l'as dit. Non, c'était... c'est encore cette année. Non, c'est ouais. Pas encore en Corse en effet. Ouais. Donc oui, je disais, ça ne m'a pas échappé. Pardon. Que vous avez des très beaux t-shirts, ouais, ouais. Messieurs, et on précise que vous ne vous êtes pas synchronisés non, pour pas, mettre même le même pas. Parce que là, ça fait très corporate. Hein. Vous êtes, on essaye, on vous essaye. Êtes parfait, messieurs. C'est bien, RPZ. Au programme, une semaine folle en NFL, messieurs. Les Redskins qui font tomber les Raiders, les Seahawks qui perdent, les Ravens qui se font exploser. C'est seulement ce qui s'est passé sur le terrain et c'était très fou, messieurs. On va débriefer tout ça, on va prendre aussi vos questions et parler du match du jeudi qui n'est pas immonde pour une fois. Pas pour une fois. On va en reparler. C'est parti, Camille. Ravens 7, Jaguars 44. Le match à Londres a sûrement été le plus surprenant de la semaine. Carton total pour les Jaguars. 3 touchdowns pour Mercedes Lewis. Et non pas Mercedes Lewis. On fait un petit coucou à notre rédacteur Grégory Richard qui était sur place et qui est tombé des nues quand il a appris que c'était Mercedes et pas Mercedes. Il cassait son titre blague. Il était très content. Ouais, malheureusement, déception totale. Fight incroyable pour l'attaque des Ravens. Première passe complétée pour Joe Flacco à 5 minutes de la mi-temps. 8 sur 18, 28 yards. 2 interceptions, on a tout ça en image, 186 yards au total, 15 en première mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces Ravens? C'est une faillite quand même, énorme, même si toutes les semaines on a toujours quelques ratages. C'est ça, ouais. Là, c'est très très haut dans les standards de la nullité offensive. Oui, c'est vrai. Et cela dit, c'était pas prévisible, mais tu avais des signes avant-coureurs. Comme les deux premières semaines, les Ravens n'ont pas été incroyables en attaque. Et on se disait, bon, ça, pour l'instant, ça tient parce que la défense tient, mais est-ce que cette attaque est capable d'aller chercher plus? On se disait que face aux Jaguars, ça allait être le bon match. On est tombé des nues parce que finalement, la défense de Jacksonville a provoqué des tonnes de turnovers. Et ben voilà, finalement, ce qui manquait, les défauts de cette attaque ont été exacerbés là sur ce match-là. Et on se rend compte que finalement, ça manque beaucoup de playmakers en attaque, à part Alex Collins. Mais en fin de match seulement, ça avance pas et c'est inquiétant. Raphaël, toi qui aimes défendre les Raiders d'habitude, là c'est les Ravens. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, c'est une faillite vraiment de toute l'équipe. Alors déplacement à Londres, logistique, je sais pas vraiment ce qui les a déstabilisés à ce point-là. Manifestement, en attaque, il y a l'absence de Marshall Yanda sur la ligne offensive se fait déjà ressentir avec plus de pression sur Joe Flacco. Un jeu au sol qui a été plus en difficulté, sauf à la fin quand Collins est rentré, mais avant l'entrée de Collins, le jeu au sol n'arrivait pas du tout à avancer. Et comme en parallèle, cette attaque des Ravens n'avançait pas du tout et que la défense a été extrêmement exposée, puisqu'en première mi-temps, la défense des Ravens passe quand même 25 minutes sur le terrain, ce qui est beaucoup même pour une défense qui a des qualités, qui a pas mal de playmakers et de qualités. On se retrouve avec une équipe totalement en difficulté parce que la défense ne tient plus. Et alors là, on s'en doutait, hein, une fois que la défense des Ravens ne tient plus, si en plus ils n'arrivent pas à imposer leur jeu au sol, ça devient très très compliqué pour eux. Et un Joe Flacco a un niveau assez inquiétant quand même. Ouais.
Oui, là, il est un peu... Ouais. Est-il élite? J'ose la question. Joe Flacco est-il élite? Éternelle question. Bon, là, plus personne ne veut répondre parce que la réponse est donc non pour le moment. C'est très compliqué. En face, Blake Bortles est à 20 sur 31, 244 yards, 4 touchdowns. Je retire rien à la performance. Je ne veux pas m'enflammer non plus. Non. On est dans quelle posture vis-à-vis de ce qui vient de se passer? Parce qu'en théorie, c'est une très bonne défense en face. C'est ça. Mais c'est une très bonne défense qui a très vite été épuisée, en fait. C'est peut-être ça aussi. Ils ont pris l'eau un peu au début. Ils n'ont pas trop mal tenu le sol. Au début, ça allait. Et puis finalement... Quand le score s'alourdit, que tu passes du temps sur le terrain, tu finis par lâcher, même en attaque à la fin. Les gars, ils commençaient à courir, puis ils s'arrêtaient, ils sortaient du terrain en trottinant pour ne pas se faire rentrer dedans, parce qu'ils savaient que c'était fini. Et il manquait Williams aussi dans le front seven, important. Oui, c'est vrai. Maintenant, l'attaque des Jaguars, c'est une bonne surprise. Est-ce que c'est au-dessus de ce qu'ils sont capables de faire en temps normal, ou c'est genre leur meilleur niveau qu'on a vu? Moi, je pense qu'ils ont un peu surjoué sur ce match-là par rapport à ce qu'ils peuvent faire. C'est pas leur standard, ça. C'est mieux que ce qu'ils peuvent faire, je pense, en moyenne. Maintenant, Bortles pas dégoûtant sous la pression. Mercedes-Lewis sorti un peu de nulle part, qui t'en claque 3. Bon. Et Allen Hurns qui continue de mettre des touchdowns à Londres. C'est vrai. À chaque fois qu'il vient, il met un petit touchdown à Londres, il est content. Ça fait leur troisième victoire de suite à Londres. Hein. Ils ont joué 5 fois là-bas. Donc ils commencent à prendre le rythme, mine de rien. Raphaël, Blake Bortles, cette attaque, ça peut continuer? C'était un coup de chaud? Non, c'était quand même assez surprenant, parce qu'au final, par rapport au premier match qu'ils gagnent face aux Texans, où on avait vu que Leonard Fournette avait porté toute l'attaque pour faire avancer les Jaguars, là, pour le coup, c'est plus Blake Bortles finalement qui a pris les choses en main, avec un Fournette bien bloqué au début du match. Écoute, il a fait le match quasiment parfait pour lui. Est-ce qu'il va réussir à le reproduire? J'en suis pas certain. Il y a toujours des petits défauts quand même. On va voir. Par contre, ce qui est certain, c'est quand même qu'ils ont des belles armes en défense et que ça peut les aider à aller accrocher peut-être l'AFC Sud, parce que Calais Campbell justifie déjà son contrat, qui est peut-être finalement des defensive ends les plus sous-cotés, parce qu'on n'en parle jamais comme un des meilleurs. Et au final, tous les ans, il fait ce qu'il faut pour être sur le terrain. Jalen Ramsey est en train de s'imposer clairement comme un vrai cornerback numéro 1, shutdown corner. Il m'a impressionné encore une fois. Il lit extrêmement bien Flacco sur le coup. Voilà, c'est une très belle défense qui prend enfin forme. On va voir jusqu'où ça va les porter. Tu mènes 37-0, ils font un fake punt pour gagner la quête. T'as une confiance incroyable. Ça, c'était magique. Moi, j'attendais presque pour les tops et les flops, ça, parce que c'est tellement, tellement magique dans l'humiliation, ce fake punt c'est pour énorme. La course. Là. Mais, à 37-0, en fait. Mais c'est peut-être fou, pas quoi. Plus mal que Doug Marron tente un truc comme ça, parce que les Jaguars ont eu tendance ces dernières années à, elle, plutôt être l'équipe humiliée. Et je pense que pour la confiance des gars, être capable de mettre une raclée aux autres, faut être capable de le faire. Parce que c'est aussi une des premières fois où t'es là à dire « Wow, les Jaguars !» Je pense qu'il a bien fait de le faire. On avait le fauteuil à ce moment-là, où je crois que c'était juste avant la prise d'antenne du fauteuil, et je me rappelle être devant la truc et faire « Wow !» Et tu fais jamais ça devant les Jaguars depuis quelques années, donc c'est bien pour eux d'être un peu dans ce rôle-là, comme tu dis, de l'équipe qui fait un peu mal à l'autre. Bon, en tout cas, grosse journée à Londres. Camille, un petit mot quand même. Dans le stade, est-ce que vous vous êtes amusé malgré le carton? C'est surtout ça ma question, en fait. J'ai un peu de meilleur souvenir de ce match par rapport à l'autre match à Londres que j'ai fait. C'était un Chiefs à Lions et c'était aussi un gros carton. D'accord. Non, je sais pas, je me suis un peu plus apprécié le match. Mais... Le fake punt C'est pareil, je l'ai pas tout à fait venir. À un moment, du coup, j'ai vu, c'était un punt, donc j'ai pas fait trop attention. Je devais écrire un tweet. C'est parti. Et je voulais bien vérifier, on se demandait avec Greg si c'était bien un fake ou pas, ou s'ils avaient couru, ou s'ils avaient tenté le 4 ou pas, enfin bref. Bon, alors juste une question, alors on sait que Camille n'est pas à l'antenne pour ceux qui regardent en vidéo, donc vous nous voyez juste l'écouter. On va animer un peu l'antenne, vas-y Camille, tu peux laisser le plan large et nous parler, et nous on fait des trucs comme ça. Elle était bonne la bouffe du coup? Oui, non, ça allait. C'était, on a de la chance parce que c'est vrai qu'on est bien reçu par la NFL en tout cas. Vous avez mangé quoi? Non, mais c'est ça, il y a quoi en tribune de presse? C'était ça la question qu'on pose à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a mangé? La dernière fois avec Raphaël, on avait été un peu déçus. Le plat n'était pas exceptionnel. C'était quoi? Du chili avec du riz et des haricots verts. Ah oui, j'ai compris. Mais par contre, après, il y avait plateau, enfin, il y avait des salades, fromage, plateau de fromage, et il y avait un dessert assez sympa, une espèce de pudding anglais, sauce caramel, beurre. Il n'y a toujours pas personne à. J'ai oublié de vous dire, je voulais que quelqu'un ramène de la marmite, surtout que maintenant qu'on est en vidéo, il faut que Raoul goûte de la marmite.
Mike à l'antenne en vidéo. C'est pas du tout comme ça, vous pourrez voir son visage se déformer de douleur. Et ça pourrait être intéressant. Pause. Merci beaucoup Camille et merci à Greg qui était évidemment avec toi pour ce match. On va enchaîner avec Lions Falcons 26-30. Donc 26 pour les Lions, 30 pour les Falcons. Scandale ou pas, messieurs ? Non. Ils ont le ballon pour gagner, troisième tentative trop courte, replay, le chrono doit repartir puisqu'il n'est pas dans la end zone. Sauf que le règlement dit que dans ce cas-là, on doit retirer 10 secondes parce qu'il n'avait pas de temps mort. Problème, il restait 8 secondes, le match est terminé, l'arbitre dit match terminé. Mais la règle se tient en fait, parce que s'il avait été jugé bon la première fois, le chrono aurait continué de tourner. Maintenant, c'est contrairement à ce que je croyais, c'était une troisième et pas une quatrième. Donc, peut-être qu'il aurait pu spiker ou jouer vite. Bah, oui. Et c'est ça, pour le coup, que je trouve dommage. Mais maintenant, malheureusement, tu ne peux pas faire beaucoup mieux. Moi, en voyant le ralenti, je ne suis pas hyper convaincu que le genou touche le sol en plus. Donc, bon, j'avoue que... Ça ne me choque pas. Moi, je le vois trop court en direct. Sur le coup, j'étais étonné qu'il donne le touchdown. Mais après, souvent, il donne le touchdown pour se permettre d'avoir le ralenti automatique. Moi, je comprends pas pourquoi on doit retirer 10 secondes. Mais parce que encore une fois, s'il avait pourquoi tu remets pas le ballon et tu dès que le ballon est remis parce que tu remets le ballon, les lignes offensives n'étaient pas prêtes, tout ça, le temps que tout le monde se ramène à cet endroit-là, moi je suis pas sûr que cette affaire aurait temps pas pris de spiker. 10 secondes, mais ça aurait pris 5 ou 6 quoi, donc t'aurais eu vraiment 2 secondes pour spiker et avoir ton quatrième. Je reste sceptique. Non, alors par contre, tu dis une bêtise, hein, Raoul. C'était la troisième qu'ils ont joué. Oui. Donc ça aurait été la quatrième qu'ils devaient jouer. Ils ne pouvaient pas spiker derrière. Ils ne pouvaient pas spiker. Ils voulaient pas spiker, mais ils pouvaient jouer. À part lancer la balle à l'arrache comme ça, un endroit, je ne vois pas trop ce qu'il aurait eu le temps de faire. Mais enfin, bon. Enfin, il est 5 cm devant la truc, donc ils peuvent aller tout droit. Hein, Oui. Ouais. C'est hyper cruel, mais la règle. Est bien appliqué. En tout cas, il n'y a pas de scandale du fait où la règle est appliquée à la lettre et il n'y a pas eu d'erreur. Donc, à partir de là. On a déjà eu des débats comme ça ces 6 dernières années. C'est pas tant que la règle soit appliquée à la lettre ou pas. Est-ce qu'elle est bien ? C'est qu'est-ce que la règle est débile ou pas ? Franchement, il y a pire. Moi, je comprends encore une fois de dire que si ça avait été bien jugé, ça serait passé comme c'est passé au final, dans le sens où on enlève des secondes. Et le truc, c'est que c'est pas de leur faute si les arbitres jugent qu'il y a touchdown et ensuite disent que non. Non. C'est clairement. Ça le problème aussi. Non, mais. Ouais, mais parce que si les arbitres avaient eu la bonne décision tout de suite, ça continuait. Ouais, mais est-ce qu'ils auraient eu le temps ? Ouais, mais au moins, ils auraient eu l'occasion d'essayer d'avoir le temps. Là, le truc, c'est que comme les arbitres se sont gourés sur le coup de sifflet, on leur dit, le match est fini. Non, mais je comprends la frustration des Lions. Mais pour moi, la règle est plutôt bien pensée. Parce que dans le reste du temps, elle serait bien pensée. Là, c'est dans ce cas précis où c'est la fin du match et du coup, ça casse tout. En plein match, si t'enlèves 10 secondes, bon, c'est pas un scandale. Je comprends pas pourquoi, encore une fois, le chrono et le chrono, quand on enlève des trucs de manière artificielle et arbitraire, ça me gêne. On aurait dû leur laisser. Il n'y a pas eu de temps de jeu. Je sais pas, 5 secondes et puis parti, quoi. On retirait que 5 secondes. Si ça fait finir le match, on retire 5 secondes. Il faudrait peut-être changer ça. Au moins terminer sur une tentative ou un truc comme ça, parce qu'il y a des règles qui font, par exemple, qu'on peut pas terminer une mi-temps sur une pénalité ou des choses comme ça. Une faute en défense. Donc, dans ce cas-là, pourquoi t'as un jeu, je sais plus sur quel match il y a eu ça d'ailleurs, qui a eu une pénalité et qu'on a redonné sur le Bears Steelers où on a redonné un jeu sans 100 temps au chrono. Donc pourquoi on a des jeux 100 temps au chrono suite à des pénalités et pas suite à un replay où eux ont rien demandé au final? Non, c'est vrai, pour le coup, ça c'est vrai, tu vois. Raphaël est tout conservateur, tu sais. Raphaël, il veut pas changer les règles. C'est ça qui m'embête pour le coup. C'est que sur certaines pénalités, on donne un down supplémentaire parce qu'on peut pas terminer sur une pénalité. Donc pourquoi on pourrait terminer sur un replay arbitral qui corrige leur propre erreur ? Je n'ai pas la réponse. Moi, c'est un peu plus ça. Pour le coup, je suis d'autant plus triste que je trouvais le retour incroyable et que ça me faisait gagner un point dans les pronos. Je suis un peu embêté. Je crois que j'ai gagné un point sur les pronos, mais je suis quand même embêté, tu vois, par cette fin de match. En plus, pour les gens qui sont dans le stade, je pense que ça doit être. Nous, on a la télé, les mecs expliquent, etc. Pour le mec qui est dans le stade, des fois, ça doit quand même être bizarre de dire, ok, ils ont annoncé un touchdown, on a vu les trucs sur l'écran géant et tout. Bon, en fait, le score, il revient en arrière, et il y a un mec qui rentre sur le terrain et qui dit, en fait, c'est fini.
Il dit que on retire 10 secondes, donc le match est fini. Ouais. Mais tu vois, c'est terrible parce que encore une fois, si ça avait été à 11 secondes de la fin, ils auraient eu un dernier jeu. Oui, non, mais il faut toujours mettre le curseur quelque part. C'est ça, en même temps. Non, mais là, d'accord. Mais pour si les Tottenham avaient valu 10 points, non, mais du coup, il faudrait dire que tu peux pas finir le match par 10 secondes enlevées au temps. Dans ce cas-là, t'as une dernière chance. Ouais, moi c'est à la limite de trouver un truc sur les fins de match ou quelque chose comme ça. Oui, parce que c'est vrai que sinon il n'est pas débile. Je peux comprendre que les Lions soient amers et quand tu vois la tronche des joueurs, notamment Golden Tate qui a marqué, qui croit avoir marqué en tout cas, enfin il est sur le bord du terrain, on lui dit non, en fait c'est fini. C'est dur. Non, mais c'est quand même ultra dur. Bon, après, c'est d'autant plus dommage que c'était quand même un match attendu entre deux bonnes équipes. Ça a été un match intéressant. Ils avaient bien neutralisé les airs avec trois interceptions. Ils ont forcé Atlanta à courir, ce qu'ils ont bien fait avec Devonta Freeman, mais ça les a forcés à pilonner aussi au sol. Est-ce que c'est pas là que ça se joue aussi la différence pour Détroit avec les grandes équipes pour l'instant? C'est que Atlanta a eu cette option-là. Ils ont mis 151 yards au sol. Détroit en a 71. Et c'est ça qui fait que des fois, ils sont un peu au raccro et il faut qu'ils aillent chercher ces fins de match. Ouais, moi je continue à penser que là, ce qui manque à Détroit pour faire partie vraiment des outsiders en NFC, c'est justement ce jeu au sol. C'est dommage parce qu'ils font un très bon match qui confirme qu'ils vont être une équipe un peu poil à gratter cette saison. Stafford a encore une fois été très bon. Le backfield défensif, vraiment, s'est beaucoup renforcé avec la progression de Darius Slay, de Diggs, Glover Quinn toujours là. Mais comme tu dis, Amir Abdullah, c'est quoi? C'est 3,4 de moyenne de yards par portée. Ça reste encore très faible, malgré le fait que la ligne offensive se soit renforcée avec TJ Lang, etc. Et tant qu'ils ne vont pas réussir à contrôler un peu plus le tempo, à avancer, à diversifier ce jeu offensif, je pense qu'ils vont avoir une sorte de plafond de verre. Et effectivement, c'est ce qui fait la différence avec Atlanta qui, à part 2-3 erreurs de Matt Ryan, a quand même réussi encore une fois à coller ses 30 points un peu sans trop de difficultés. Ouais, c'est ce qui leur manque, je suis assez d'accord. On passe aux Redskins Raiders, 27-10 pour Washington. C'est la surprise de la semaine annoncée par Grégory Richard. Il faut lui rendre ça. Guerre de tranchées selon le résumé de l'ami Raphaël sur le site. Raphaël, je te laisse expliquer ce que tu voulais dire. Guerre de tranchées, parce que Washington vraiment a dominé, que ce soit sa ligne défensive ou sa ligne offensive, ils ont totalement dominé l'adversaire. La ligne offensive des Redskins a encaissé très peu de pression, de sec. Je vais retrouver rapidement le chiffre. Ouais, voilà, un sac pour les Raiders, c'est quand même très peu. Donc Kirk Cousins s'est pu en permanence lancer vraiment dans une poche sans trop de difficultés. Ça s'est vu sur son résultat final. Il est à 25 sur 30, 365 yards, 3 touchdowns. Chris Thompson est à 6 réceptions, 150 yards, 6 courses, non, attendez, pardon, 6 courses, 150 yards d'un touchdown et 8 réceptions pour 38 yards. Très belle attaque des Redskins. Je m'embrouille dans les chiffres parce que je vois Camille qui lève un sourcil. Oui, je crois que c'est 6 réceptions et 8 courses. Bon, voilà, on est d'accord. Je te remercie. Je me suis embrouillé. Il avait en effet plus de réceptions. Donc, tu as ce côté-là et à l'opposé, leur ligne défensive a complètement mangé la ligne d'Ardor, ce qui pourtant est d'habitude une des meilleures de la ligue. Ils ont 6 quarterback hits, 4 sacs, 8 tacles pour perte. Ils avaient que 2 sac qu'autorisait juste que la... Donc voilà, donc vraiment ils ont enfoncé complètement, ça a mis Derek Carr sous pression totale, pas de jeu au sol, des receveurs qui ont été mangés par Josh Norman, vraiment mangés pour le coup. Et ils sont limités à 2 réceptions pour 13 yards à eux deux, à Mary Cooper et Michael Crabtree. Donc voilà, vraiment le match des Redskins a été tellement gagné sur les lignes que derrière, c'est ce qu'a complètement, en tout cas sur ce match-là, fait la différence. Raoul, étonné par les Raiders, 128 yards pour eux en attaque seulement. On parlait de faillite offensive tout à l'heure. 128 yards pour une équipe aussi, c'est pas... qui est quand même reconnue et pour être offensive. En fait, ce qui est choquant par rapport aux Ravens, c'est qu'avec Derek Carr, avec Amari Cooper, avec Crabtree, avec le bon début de saison de Marshawn Lynch, avec la reconversion incroyable de Cordarrelle Patterson au poste de coureur, 128 yards, c'est vraiment trop peu. Mais de toute façon, Raphaël l'a dit, ce match-là, il s'est gagné sur la ligne. Et je trouve qu'il n'y a en fait, malheureusement pas grand-chose à en dire parce que Oakland n'a rien fait et Washington a tout réussi. Donc ce match-là, tout le match, j'ai regardé en direct juste la première mi-temps et ensuite la fin en résumé. À aucun moment, je me suis dit, c'est bon, Oakland, ils peuvent remonter. Ouais. À aucun moment, clairement. Ils étaient pris tout le temps. Dès le début, Carr, il lance 2 interceptions. Tu te dis, c'est bon, c'est fini. Quoi. Ils vont pas y arriver. La chute dans le power ranking. Ça peut être la chute, non, mais comme le dit Raoul aussi. Mais... C'était vraiment un match parfait des Redskins de A à Z. Ouais.
Ouais, y a rien à redire sur ce match, quoi, clairement. Alors, Patriots 36, Texans 33, encore un drive fou pour terminer un match des Patriots. Ils sont passés devant à 23 secondes de la fin, si je ne dis pas de bêtises. Évaluation de 146.2 pour Tom Brady, 25 sur 35, 378 yards, 5 touchdowns. Tout va bien pour lui à nouveau. Par contre, pour le reste de l'équipe, ça reste une victoire moyennement rassurante. Hein. Ils ont autorisé 417 yards d'une attaque qui avait quand même rien fait la semaine d'avant. Non, et qui fait des erreurs. Hein. Deshaun Watson, il fait des lancers risqués par moment. Du coup, forcément. Même s'il a l'air de plus en plus à l'aise. Alors, j'allais y venir ensuite. Il y a encore des erreurs, même dans la défense de Houston. Deshaun Watson aussi n'est pas encore au top. Mais ils ont tenu tout le match face à Tom Brady qui est en feu. On n'en parle même pas dans les MVP ou quoi, mais en fait, il fait un début de saison. Ah bah, il est de retour dans la course au MVP. C'est ça. Honnêtement, je vois pas trop qui pourrait le titiller sur les trois premiers matchs. Le fait est que, en tout cas, Houston a bien tenu et jusqu'au bout, avec la défense aussi et avec l'attaque. Genre, ils ont réussi à passer quand même 33 points aux Patriots. Bah ouais, ouais. J'ai un peu le même avis avec cette victoire des Patriots que celle qu'ils ont eue la semaine dernière contre les Saints. C'est bien, ils gagnent offensivement, t'as pas trop de doutes, ça se passe plutôt pas mal entre Brady et ses receveurs. Par contre, la ligne offensive a été quand même pas mal en difficulté sur ce match. 5 sacks subis. Alors, beaucoup de lignes offensives seront en difficulté face au pass rush des Texans. Donc, ouais, faut surveiller ça. Mais je trouve qu'encore une fois, en défense, il y a les linebackers, on sent quand même l'absence de Hightower sur le terrain. Les cornerbacks, Gilmore, pour le moment, c'est pas trop ça. Malcolm Butler est un peu en dessous de ce qu'il donne habituellement. Vous me mettez un doute, il n'était pas de retour, Hightower? J'ai pas eu l'impression de le voir jouer, mais en tout cas, par rapport à ce que faisait cette défense l'an dernier, où ils encaissent 15 points de moyenne sur la saison, là ils sont quand même très en dessous de leur standard. Il n'y a pas le feu, on n'est qu'en troisième semaine, il y a encore le temps de roder tout ça, on peut faire confiance à Matt Patricia, Bill Belichick, mais il faut quand même que cette défense se réveille un peu, parce que tant qu'ils restent à ce niveau-là défensif, ils peuvent se faire surprendre en play-off. Donc, pour moi, ça ne reste pas encore au top au niveau des victoires. Deshaun Watson, 22 sur 33, 301 yards de touchdown, ça c'était les stats. Il est rookie, il progresse, il s'accroche bien. Mais voilà, encore une fois, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est intolérable qu'il n'ait pas été titulaire dès le début de la saison. Il y a un truc indéniable, c'est que c'est un playmaker. Tu sens que c'est un playmaker et qu'il va faire des erreurs, mais il va être capable sur certains matchs de faire la différence. À la course aussi. Et ça faisait un petit moment que Houston n'avait pas ce quarterback-là. Donc je pense que voilà, maintenant ils ont trouvé, il faut construire. Brandin Cooks, quand même, pour la stat, 5 réceptions, 131 yards, 2 touchdowns. Quel équilibre en plus sur le dernier touchdown. Ouais. C'est incroyable. C'est pour le lui cette réception-là. Et Rob Gronkowski, 70e touchdown en carrière en 91 matchs. On parlait des tight ends la semaine dernière. 5e joueur le plus rapide de l'histoire à 70 touchdowns. Alors, c'est toujours les mêmes stats, mais il est quasiment. Enfin, il a 70 touchdowns en 91 matchs. Donc, il va quand même très très vite. Il n'y a que 20 matchs où il n'en a pas mis, quoi, c'est ça. Ben c'est ça, 21 matchs où il n'en met pas, mais c'est pas forcément, il peut en mettre 3 dans en moyenne. Tu vois, mais en moyenne, c'est quand même assez infernal comme rythme. Je sais plus à combien on a dit qu'était Antonio Gates l'autre jour, sans les Titans, une 120, non 112. 112. Ou 100. Donc ça va vraiment être une question de durabilité en fait pour Gronkowski. Oui, ça va vraiment c'est être ça. Il faut pas qu'il se blesse. Titans 33, Seahawks 27. Ouhouhou, qui sait être le seul qui avait pronostiqué les Titans. 373 yards pour Russell Wilson. De toute façon, je pense que j'ai aucun prono. J'ai reçu les scores, je crois qu'on est à 8 tous les 5 ou 6, je crois. Alors, non, c'est toi qui es à 6 alors. Ouais, c'est toi, la honte de. Il y a 2, 8, 1, 6 et Greg est à 10 ou 11. Waouh! Il est fort ce garçon. Il est fort. Chance du débutant. Donc 373 yards pour Russell Wilson, record à la passe pour lui, mais toujours les mêmes problèmes. 69 yards au sol, 3,1 yards par course. Donc il s'incline plutôt logiquement. Ouais, mais au moins il commence à mettre des touchdowns, ce qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison. En attaque. Là, ils en mettent 4. Bon, bah oui, ça se réveille, mais la surprise, c'est de se faire battre par les Titans, quoi. Alors, parlons défense. Leur défense a laissé 196 yards au sol à Tennessee. Ils en avaient laissé 159 en semaine 2. Est-ce qu'il y aurait peut-être une petite brèche ou quelque chose à exploiter en face ? Bah, manifestement, oui. Ils ont quand même été bien pilonnés au sol par les Titans, même si la stat à la course est un peu faussée par cette longue course de DeMarco Murray de 75 yards. Ouais. Donc, t'as 75 yards sur une course, ça permet de relativiser un peu. Ça fait toujours 121. Ça fait toujours 121, ce qui est beaucoup, parce que les Seahawks avaient pour habitude d'encaisser un poil moins que ça au sol.
Et surtout, ça te fait perdre, tu te fais battre parce que tu n'as pas le ballon. Effectivement, je pense qu'il y a une brèche de ce côté-là. De toute façon, on les sent moins sereins, je trouve, de manière globale. L'attitude qui est autour des Seahawks est un peu... Cam Chancellor l'a dit. Hein. Ouais. Il a dit qu'il faudrait qu'on arrête de se chamailler avec les équipes adverses, qu'on garde notre énergie. Exactement. À l'image de Sherman, qui a un peu pété un câble sans grande raison. Un peu. Ouais. Il a failli découper Mariota. Mariota est à 20 sur 32, 225 yards de touchdown. Il est en gestionnaire. Oui, de toute façon, sur ce match, ils ont un peu... géré, je sais pas, mais le fait est que... Mariota, c'est ce qu'on lui attendait un peu de lui au début. Moi, je trouve que il a plus trop besoin de progresser. Il a peut-être pas atteint son niveau maximum, mais là, sur ce match-là, il a pas besoin d'en faire plus. Ah, sur ce match-là, oui, oui. Il peut progresser quand même. Oui, mais sur ce match-là, encore une fois, il a un jeu au sol incroyable. Bon, encore une fois, avec la grande course, mais. Il a bien été aidé par sa ligne offensive fait un match encore une fois exceptionnel. Ils encaissent aucun sac, aucune pression sur le quarterback, alors qu'en face il y a Bennett, Cliff Avril, tous ces mecs-là. C'est énorme comme perf. C'est plus qu'énorme, et cette ligne offensive lui permet déjà que c'était un bon gestionnaire qui perdait très peu de ballons. Derrière ça, il devient difficile à... Après, moi j'aime bien Mariota, et le fait est que... Non, mais alors, pas spécialement, depuis Oregon ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que justement, je ne suis pas encore déçu, mais vu son statut de draft, ce qu'on annonçait, Winston Mariota, le duo de l'époque, etc., ce qui est fou et frustrant, c'est que Winston a un potentiel qui est quand même supérieur. Il peut faire des trucs incroyables, etc. Ouais. Mais il fait des énormes erreurs et des bêtises pas possibles, on va en reparler. Mm-hmm. Alors que Mariota est quand même dans cette sobriété propreté relativement, mais il y a moins de coups d'éclat, quoi. Il y a moins de moments où pour l'instant tu t'enthousiasmes, mais tu te dis ce mec va être énorme, etc. Donc voilà, c'est un peu juste. Ça va bien avec j'aimerais la bien franchise avoir des petits moments des Titans. Où... J'aimerais bien avoir des moments un peu plus waouh. Avec comme les Jaguars, tu veux dire ? Avec Marcus Mariota. Des fake punts. j'aimerais bien un peu plus de ça. On termine nos affiches de la semaine avec Eagles-Giants, 27-24 pour les Eagles. Jake Elliott est rookie, mais le kicker des Eagles, c'est déjà un héros. 61 yards pour son field goal de la gagne. C'est le plus long de l'histoire pour un rookie. C'est le troisième plus long de l'histoire de la NFL. Il y avait eu 64 et 63. Signé depuis le practice squad des Bengals le 12 septembre en plus, il n'était même pas dans l'effectif pendant la préparation. C'est un drôle de match. Les Giants sont complètement à la rue. Ils reviennent sur une séquence qui a l'air de durer un éclair au final. Ils reviennent très très vite dans le match. Ils passent devant et puis finalement, parce qu'ils ont quand même 3 touchdowns sur 3 drives à la suite, alors qu'ils avaient eu qu'un seul touchdown sur leurs 29 premiers drives de la saison. C'est pour ça que je dis que ça a eu l'air d'aller vite. Donc, ils passent devant et puis finalement, ils ne tiennent pas. Ça manque aussi de jeu au sol. Ça fait toujours très mal pour maîtriser ce genre de match. Hein. Comment un supporter des Giants sort indemne de cette expérience? Il n'en sort pas indemne. Donc, comme ça règle la question. C'est compliqué parce que tu te dis, dans le quatrième quart-temps, ça y est, l'attaque commence à prendre rythme. Il y a ces 3 touchdowns à la passe. La défense tenait juste là, avait quand même bien limité les Eagles. Tu te dis, ça y est, ils vont peut-être enfin... sortir de cette spirale un peu infernale de lose. Et puis il y a ces erreurs débiles en défense, notamment celle d'Eli Apple où il fait une passe interférence défensive qui remet totalement les Eagles dans le jeu parce qu'ils obtiennent une première tentative et ils marquent le touchdown qui leur permet de revenir à 21-21. C'est compliqué. C'est compliqué, ça fait mal. Non, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas grand-chose qui... comme tu dis, le jeu au sol est sur ce match probablement le plus pénalisant parce qu'il t'empêche totalement de manger le chrono. Et voilà, sur le dernier drive où ils rendent le ballon à 24-24, ils sont obligés de faire 3 passes parce que leur jeu au sol n'avance pas du tout. Le chrono ne baisse pas. Et puis, ne pas avoir de jeu au sol, quand au moins tu as une ligne pour protéger ton quarterback et le faire bosser sereinement et qu'en plus il est dans la fleur de l'âge. Mais c'est vrai que c'est un pari risqué. Sur ce match, Manning n'a pas été. En termes de mode de vie, c'est pas forcément le plus sain actuellement pour eux. Carson Wentz, 21 sur 31, 176 yards, un touchdown. Eux, ils ont un jeu au sol à plusieurs, ils sont pas mal relayés. Hilal, John Jeffrey et Zach Ertz qui ont fait du boulot. Ça se met en place quand même, cette équipe de Philadelphie. Oui, c'est la bonne continuation de ce qu'on a vu l'an dernier, où Wentz a fait un très gros début de saison avant un peu de s'essouffler. Là, on lui a fourni des nouvelles armes, il les utilise bien.
je suis pas surpris. Il y a eu beaucoup de blessures hein, aussi qui ont permis à New York de revenir un peu dans ce match. Fletcher Cox est sorti. Les cornerbacks, les Eagles finissent quand même avec leur cornerback numéro 5 en cornerback numéro 1 à la fin du match. C'est un béni pour Odell Beckham. Le point positif justement pour Odell Beckham, 300e réception en 45 matchs, c'est le plus rapide de l'histoire à atteindre les 300 réceptions. Devant qui? J'ai pas regardé Jerry Rice. Justement, j'étais assez surpris. C'est Anquan Boldin qui avait été le plus rapide à 300 réceptions. Le 49 matchs ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Mais bon, 45 matchs, 300 réceptions, ça vous classe quand même l'impact du bonhomme. Et son inévitabilité chez les Giants, ils peuvent pas faire sans lui. Bah, il a encore deux touchdowns hein, donc, dans ce match. S'il est pas là, il n'y a jamais de field goal de Laugwin. Sur le plan du jeu, il est incroyable. On dit un mot sur les célébrations maintenant ou quelqu'un avait prévu ça dans le top flop? Non, moi j'ai pas prévu. Je m'en fous. C'était rigolo. Moi, ça m'a pas choqué. Et franchement, en plus, on s'en fout. Les pénalités qui sont mises sur les coups d'envoi, de toute façon, ça fait touchback et c'est réglé. De toute façon, maintenant, ça fait toujours touchback. Oui, c'est ça. Donc, qu'on avance ou qu'on recule. Pénalité ou pas. Le coup d'envoi, c'est ça. Change rien. Et puis si tu avances et que moi je recule, enfin voilà. Tu vois ce que je veux dire. On peut passer à la suite. Les autres matchs de la semaine, messieurs, Vikings 34, Buccaneers 17, 25 sur 33 pour 369 yards et 3 touchdowns. Ça fait beaucoup de 3 tout ça. Ouais. C'était pour Keskinom et ça me trouble comment Keskinom en arrive là. 3 interceptions en face pour Jameis Winston. J'ai dit tout à l'heure qu'il faisait du tout et du n'importe quoi, et souvent du n'importe quoi quand même. Bah ouais. C'est Tampa. Je suis peut-être monté trop vite dans l'hype, je sais pas. En fait, j'arrêtais pas de poser la question. Non mais ça fait 2 ans que j'y suis, ça fait 2 ans que je dis c'est une équipe qui monte. Cette année, j'arrêtais pas de demander est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a pas raison. Ils ont eu Hard Knocks, ils ont eu ceci, il y a de l'hype. On est en train de voir que c'est toujours une équipe irrégulière quoi. En fait, c'est un peu ce qui me faisait peur au début de saison, c'est à partir du moment où le jeu au sol te suit plus, tu vas mettre beaucoup sur Jameis Winston et c'est pas forcément la meilleure solution parce que certes il est capable de coups d'éclat, il a des receveurs comme Mike Evans, comme DeSean Jackson avec qui il est pas encore tout à fait réglé, il lance quand même un peu trop souvent, trop loin, enfin derrière, la connexion peut se faire, hein, ça peut être incroyable, mais c'est pas encore le cas. Et du coup bah là il surjoue et il lance 3 interceptions, 2 en red zone qui sont vilaines. Bon bah voilà, c'est malheureusement c'est le problème de cette équipe de Tampa, c'est que ça manque un peu de sécurité au sol pour que Winston soit plus à l'aise. 26 yards, Raphaël, des très hauts et des très bas un peu à Tampa, quoi. Des très hauts et des très bas, moi je continue à dire que Winston me fait un peu penser à Eli Manning cette capacité à lancer des passes. Pareil, il évite une interception, il lance la balle n'importe comment à un moment sous pression. Et c'est son tight end Cameron Brace qui revient en arrière pour récupérer la balle, empêcher ce qui serait devenu un pick 6 sans aucun doute. Voilà, il perd la balle. Maintenant, les Buccaneers savent à quoi s'attendre avec Jameis Winston. Faut juste, je pense qu'il sera malheureusement pas canalisable. Il faut faire avec. C'est une sorte de Eli et Philippe Rivers un peu aussi. Ils ont eu plutôt des belles carrières. Donc c'est pas forcément une mauvaise idée pour lui. Je vois l'idée. J'aime bien la comparaison. Bon, qu'est-ce qu'il nomme par contre, on en fait quoi? Incroyable. Non, mais c'est la même chose que Sam Bradford en semaine. Ouais, problème de riche chez les Vikings. Coordinateur offensif qu'il faut saluer parce que quand tu fais faire en 3 semaines des matchs comme ça, Bradford et Case Keenum, qu'a priori le plan de jeu est bien établi. Puis on parlait de l'entourage, il y a 97 yards au sol encore pour Dalvin Cook. Ça c'est vraiment une bonne recrue. Il y a Stephon Diggs et Adam Thielen qui combinent pour 271 yards. Ils font le café, mais ils font des réceptions incroyables. Qui est le duo de receveurs le plus surprenant depuis le début de la saison. Moi je suis d'accord, je les attendais pas. C'est les plus sous-cotés à eux deux, mais ils font des trucs de fou. Et c'est vraiment, et c'est pour ça aussi que Bradford et Keenum ont réussi autant. C'est parce que t'as ces deux-là, t'as toujours la menace Kyle Rudolph qui traîne. T'as toujours Laquan Treadwell qui fait sa réception de 2 yards. Voilà, c'était le point de Laquan Treadwell que j'ai réussi à caser. Mais en vrai, Thielen et Diggs, c'est incroyable. Ça peut, si ça continue comme ça toute la saison, c'est fou. Mon désespoir, Laquan Treadwell. Ouais, moi aussi. on l'a dit, pas de jeu au sol pour les Buccaneers. Mais en tout cas, oui, il y a des bonnes choses hein, du côté de Minnesota, ça se confirme quand même. Et en défense aussi. Il y a du jeu au sol, il y a tout. Xavier Rhodes, il limite très bien Mike Evans, clairement. Et Xavier Rhodes aussi, c'est un mec un peu sous-coté. Cette défense de Minnesota et même toute l'équipe de Minnesota est un peu sous-cotée parce que il y avait Bradford et puis en fait il y a plus Bradford, on ne sait pas quoi en faire et finalement attention.
Ça va être clairement à surveiller dans les semaines à venir. Bears 23, Steelers 17, 220 yards au sol pour les Bears, dont 138 pour Jordan Howard. Le départ lent des Steelers se confirme encore un peu en difficulté. C'est Antonio Brown qui a l'air d'être le seul un peu en attaque réveillé sur ce match. 10 réceptions, 110 yards. Le'Veon Bell revient petit à petit. Tu sens que le manque d'entraînement est encore là. Maintenant, c'est pas catastrophique sur ce match-là. Il a 26 courses, il doit avoir 80 yards ou quelque chose comme ça. Bon, écoute, c'est sloppy, dirait Ben McAdoo. Je ne sais plus comment on traduit ça, mais c'est pas exceptionnel. Quoi. Malheureusement, les Steelers, on attendait d'eux vraiment un déroulement offensif et il est pas encore là. Mais le problème, c'est qu'il commence à jamais être là en fait. Oui. Moi, je. Trois semaines. Ouais, c'est ça. Même un peu plus que trois semaines, parce que réellement, combien de fois les Steelers ont été extrêmement bons en attaque avec Big Ben, Antonio Brown et Le'Veon Bell en même temps sur le terrain. Tu parlais de coordinateur offensif des Vikings. Voilà. Est-ce que Todd Haley est en faute? Moi, je continue à penser que Todd Haley est peut-être pas le coordinateur offensif qu'il faut à cette équipe. Ça se passait quand même mieux quand c'était Bruce Arians, le coordinateur offensif de cette équipe. Je suis très sceptique. J'ai l'impression que cette attaque n'arrive pas à être à sa pleine mesure. Et malheureusement, ils vont avoir du mal à aller toujours plus loin quoi, tant que l'attaque reste à ce niveau-là. C'est une bonne attaque, hein, mais je ne les vois pas détrôner quelqu'un en AFC. C'est censé être une très bonne attaque, même. C'est censé être le top niveau, quasiment. C'est ça, voilà. C'est pour ça que sur trois matchs, ça ne se voit pas, c'est vrai. On est d'accord. Mais après, comme tu dis, il y a une formule à trouver au niveau de l'appel des jeux et du reste qui doit... qui doit forcément être quelque part. Il faut rendre hommage aux Bears. C'est ce que j'allais dire. Un mot sur les Bears quand même, qui ont été assez accrocheurs, suffisamment accrocheurs pour gagner justement. Donc c'est quand même une équipe qui, pareil. Ils sont revenus à leurs fondamentaux. Gros jeu au sol, grosse défense. Voilà. Un peu à l'ancienne, un peu comme tu gagnerais des matchs de playoff. Tu fais. Glennon, il a 22 passes, 101 yards. Et pourtant, c'est pas parce qu'il a mal joué, c'est qu'il a été assez peu utilisé. Oh, c'est dur. Hein. Non, mais voilà, mais Mais c'était le but. En fait, c'était le plan de jeu, je pense. Ouais. Toi, il avait pas besoin de faire plus. Et Jordan Howard fait un gros jeu au sol. Tariq Cohen aussi. Tariq Cohen prend la relève en fin de match parce que Howard sort. Donc non, cette équipe des Bears a fait le plan de jeu parfait pour contrer les Steelers. Ces Steelers-là, en tout cas, qui sont un peu dilettantes. Moi, je ne suis pas hyper surpris. Je trouve que c'est la patte John Fox. À chaque fois qu'il prend une équipe, l'équipe progresse de manière globale. Il a fait progresser les Panthers, il a fait progresser les Broncos. Là, il fait à nouveau progresser les Bears. John Fox est un peu le Alex Smith du coaching. Non, mais c'est un constructeur. Il est battu et après, c'est ce qui permet de passer au truc du dessus. Bon, allez, on en parle maintenant si vous voulez. Bah ouais, ce sera plus simple. On va en parler maintenant. Donc, j'ai même échappé son nom à ce garçon. Cooper. Marcus Cooper Senior. Bah, que peut-on dire est-ce qu'il a regardé les highlights des Super Bowl des années 90 Non, mais c'est notre champion de la semaine. Ouais, c'est lui, presque un top, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un top. C'est ton top. Bon, c'est un grand moment. Non, je crois pas que ce soit mon top, mais c'est un top de la semaine. C'est un top de la semaine, c'est clair, c'est incroyable. On dit c'est une semaine folle. Il y a ça aussi. Il y a aussi ça. On est d'accord. Heureusement pour lui que les Bears gagnent, tu vois, ça atténue quand même le truc. Parce que si tu perds d'un point ou de truc derrière, tu dis putain. Non, et puis c'est une semaine folle. Et parce que ça, c'est un truc qu'on va voir dans les bêtisiers pendant 20 ans. Quoi. Ouais, clairement. Ah, bah oui, clairement. C'est incroyable. C'est assez magique. Allez, on passe à Packers-Bengals, 27-24 pour Green Bay après prolongation. Aaron Rodgers a lancé le deuxième pick six de sa carrière. Surtout, il a brisé une malédiction. Il a brisé une malédiction quand même. Il était à 7 défaites en 7 prolongations. Stat étonnante pour Aaron Rodgers. Et autre stat, ça y est, il a battu toutes les autres équipes les Packers. Ah ouais, il n'avait jamais battu les Bengals. Il a fini, il a coché tout le monde à son tableau de chasse. Il a fait le grand tour. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, Brett Favre, il a tout le monde puisqu'il a joué pour les Vikings ensuite. Mais c'est vrai que Brett Favre a fait tout le monde. Il a fait les 32. Il y en a un autre qui a fait les 32. Manning. Incroyable. Bon, en tout cas, il a gagné donc sa première prolongation avec une belle passe pour Geronimo Allen. Et puis derrière le field goal. Allison. Geronimo Allison. Ah oui, Geronimo Allison. Oui, autant pour moi. Field goal de 35 yards derrière pour gagner. Ça a été compliqué quand même parce qu'il y avait beaucoup de mieux pour les Bengals ont viré leur coordinateur offensif. Bill Lazor a pris les commandes de l'attaque et là ça va beaucoup mieux avec un 21-27, 212 yards et 2 touchdowns pour Andy Dalton. Joe Mixon, ils ont enfin choisi un coureur, ils ont mis le plus de ballons dans les mains de Joe Mixon et ça s'est vu, 18 courses, 62 yards. Edgy Green, 10 réceptions, 111 yards, 1 touchdown. Ouais. Ça va peut-être aller mieux pour eux.
Oui, ça va mieux. Et puis, bah, ils affrontaient la défense des Packers, qui malheureusement n'arrive toujours pas trop à élever le niveau de jeu. Oui, c'est encourageant. Maintenant, bon, voilà, moi, je m'enflamme pas sur ce match-là. Ils arrivent quand même à perdre alors qu'ils ont eu le ballon les premiers en prolongation. Pour moi, ça, c'est impardonnable. Je ne dis pas s'enflammer, mais je cherche un peu de positif. Non, mais il y a du positif. Déjà, ils marquent des touchdowns. Ça, c'est progression aussi par rapport aux deux premières semaines. Mmh. Et puis, bon, bah, Andy Dalton n'a pas été ridicule comme ça peut lui arriver de l'être. Et en fait, c'était un match serré. Ce à quoi on s'entendait pas du tout avant le début du match. Tu disais les Bengals vu comme ils sont, et les Packers vu comme ils vont peut-être vouloir être vengeurs, ils vont se faire massacrer. On le dit aussi depuis des semaines qu'ils ont pas l'effectif qui vaut ce qu'ils ont pris ces dernières semaines. Ouais, non, bien sûr, ils ont commencé à remonter la pente offensivement. Même la défense, ça commence aussi à être un peu plus péchu. Je pense au front seven qui est bien porté par le rookie Carl Lawson de 2,5 qui apporte lui aussi un truc. Sur ce match, ils sont plutôt bons. Ils passent pas loin de la victoire. Ils font un vrai match pas mal. Bon, ça passe à pas grand-chose, mais ça a l'air d'être un peu mieux d'un point de vue dynamique, en tout cas de leur côté. Donc, c'est forcément un peu... En tout cas, c'est une défaite plus encourageante que les deux premières, où là, tu disais, voilà, ils sont au fond du trou. Sans marquer, quoi. Bon, là, ça marque. Les Packers, on a déjà pas mal parlé. On va pas suranalyser. Et on va passer à Chargers 10, Chiefs 24. 183 yards de plus pour Kareem Hunt, dont un touchdown de 69 yards. 6 touchdowns en 3 matchs. 538 yards gagnés. Deuxième de l'histoire sur les yards gagnés en 3 matchs. Un touchdown d'au moins 50 yards à chaque match. C'est incroyable. J'en bafouille. Kareem Hunt continue. Il est énorme quand même. Il est incroyable. MVP. C'est joueur offensif de l'année. Rookie offensif de l'année. Rookie offensif, là, c'est bien parti. Moi, j'aimerais bien qu'on mette des rookies dans les joueurs offensifs de l'année parfois. Si il continue à ce rythme-là, il peut. Oui, l'an dernier, on aurait dû le donner à Johnson. Mais bon. Il a été, non, David Johnson? Non, il était rookie offensif de l'année. Non. Non, c'était pas Carson Palmer. Pas Carson Palmer, pardon. Matt Ryan qui était joueur offensif? Non, il était MVP. Ouais, même oui, qu'il avait non, il n'avait pas doublé. Ah, bon, ok. Je crois pas qu'il ait doublé. Pour revenir sur Kareem Hunt, oui, ce qui est fantastique, c'est que sur ce match-là, les Chargers arrivent à contenir un peu le jeu aérien d'Alex Smith, qui avait été plutôt bon les deux premières semaines. Et ben là, c'est Kareem Hunt qui a déroulé, et ben, pas besoin d'en faire plus. Non, Raphaël, non, c'est. C'est que les Chiefs l'emportent. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont quand même beaucoup dominé ce match. Ils forcent Philip Rivers à 3 interceptions. Ils auraient dû dérouler un peu plus que ce qu'ils n'ont fait au final. Ils se mettent à l'abri assez tardivement avec ce dernier touchdown parce qu'ils mènent 17-10. Ouais, donc il y a 17-10 très longtemps. Les Chargers restent à leur portée. Donc, ils restent à leur portée parce qu'il y a deux petits soucis du côté de Kansas City. La ligne offensive qui a été vraiment en difficulté face à Melvin Ingram et Joey Bosa. En même temps, ils sont... Ils sont très bons, il n'y a pas de souci, mais elle a été vraiment en difficulté et beaucoup de pénalités, ils finissent à 10 pénalités. Voilà, il faut qu'ils règlent ces petits trucs et après, c'est complet. Quoi, mais, Puis les 3 petites interceptions de Philip Rivers qui vont bien. Histoire de garder le rythme. Il n'en avait pas beaucoup lancé cette saison. Punt plutôt qu'un field goal aussi, qu'un field goal de 52 yards en fin de match. Ça, c'était assez ridicule. Zéro confiance, pourquoi tu gardes ton kicker dans ce cas-là? C'est ça. Mais on a confiance en Yongoku, bien sûr. Bills 26, Broncos 16, c'est le petit la surprise aussi. Beaucoup d'arrêts pour Denver après un match où ils avaient quand même fait beaucoup de mal à Dallas. 2 interceptions pour Trevor Siemian. C'est surtout un bon Tyrod Taylor relativement. 20 sur 26, 213 yards, 2 touchdowns, qui est allé chercher ça. Parce qu'à chaque fois, on dit il n'y a que le jeu au sol à Buffalo, il n'y a que le jeu au sol. S'il n'y a pas de jeu au sol, c'est fini. Mais à coup pas. C'est vrai que sur ce match-là. C'est ça, parce que le jeu au sol sur ce match, il y a 2 yards par portée. Donc c'est vraiment Tyrod Taylor qui va le chercher. Avec sa défense qui intercepte 2 fois Trevor Siemian, qui souvent place Tyrod Taylor en bonne position. Mais c'est l'effet Doug McDermott est pas trop mal chez les Bills pour le moment. La défense se tient bien. Sean McDermott. Sean McDermott. Doug, ça doit être un joueur de basket. C'est possible. C'est Sean McDermott. C'est parce qu'il vient d'être transféré aux Knicks. C'est pour ça que ça a marqué Raphaël, le nom était dans le trade de Carmelo Anthony. Ça doit être pour ça alors. Ouais. Mais oui, Sean McDermott en effet fait quand même du bon boulot. La bonne nouvelle pour Denver, on va oublier ce match, ils ont montré ce qu'ils savent faire sur les semaines d'avant, donc on va être là-dessus. La bonne nouvelle, c'est Jamal Charles à 56 yards en 9 courses et un touchdown, donc c'est quand même un des trucs à surveiller. Faire un bon jeu au sol, lui et Anderson. Pour le one to punch, bien. Panthers 13, Saints 34, 167 yards à la passe et 3 interceptions pour Cam Newton. Est-ce qu'on va retrouver
un jour le Cam Newton de sa saison MVP? Pas facile, parce qu'en fait... Non, mais c'est une vraie question. Il arrivait à provoquer en courant, et j'ai l'impression qu'il n'y arrive plus. Qu'il n'arrive plus à avoir cet impact qu'il avait sur les défenses en partant en courant, en allant mettre des touchdowns. Là, il met un touchdown, c'est bien, hein, mais il est moins assuré quand il a le ballon en courant que quand il l'était avant. Peut-être par peur de prendre des coups, parce qu'il y a eu cette histoire l'an dernier où ça avait un peu secoué. Bon, je ne sais pas, mais le fait est qu'il est moins en forme. Et de toute façon, bon, là, sur ce match-là, il n'y avait rien à faire. J'ai trouvé que c'était un peu comme le Raiders Redskins. C'est-à-dire que tout a réussi pour les Saints, qui ont tout bien fait, et les Panthers, ils ont tout raté. C'est assez triste, moi, je trouve. Enfin, ça a été une année tellement exceptionnelle, et depuis, ça a l'air tellement en dessous. C'est triste, comme tu dis, surtout offensivement. Enfin, parce que les deux autres matchs, ils le gagnent, le dernier contre les Bills, ils le gagnent avec 9 points, celui d'avant, pareil. Ils sont en vraie galère. Ça fait partie de ces quelques équipes de la Ligue qui sont en vraie galère offensive. Ron Rivera semble pas trouver la solution. La blessure de Greg Olsen aide pas les choses, à mon avis, pour se relever offensivement. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça d'autant plus décevant, c'est qu'ils sont en galère offensive alors qu'ils ont un mec qui était MVP il y a 2 ans. Quoi. Ouais. Et même si Olsen n'est pas là, si t'as un mec qui est censé être MVP, il est censé élever le niveau de tout le monde aussi. Quoi. Ouais, après, il avait été, parce qu'il faisait, comme Raoul le disait, il faisait aussi la différence au sol. Ouais. Il le fait pas cette année. Il est plus en galère sur ses cibles. Voilà, il n'est pas hyper bien protégé tout le temps. Bon, c'est pas que la faute de sa ligne aussi, il a tendance un peu trop à garder la balle. Et du coup, ce marasme offensif fait que même si la défense se tient toujours... Mais encore sur ce match-là, il y a, à mon avis, une action qui peut changer le match. C'est un moment, une balle qui arrive sur Luke Kuechly, genre il n'a rien à faire, juste à la garder, et il drop l'interception alors qu'il avait un pick 6 facile et que ça les faisait revenir à 5-6 points ou peut-être juste 7 points. À ce moment-là du match, peut-être ça aurait pu inverser le cours des choses. Mais si Luke Kuechly, qui est censé être ton capitaine, ton meilleur joueur, ta star, tout ce que tu veux, drop des interceptions faciles comme ça, c'est qu'il y a un problème plus global, je pense. Et les Saints, Drew Brees est à 22/29 avec 220 yards et 3 touchdowns. Mark Ingram, 50 yards en 14 courses. On savait qu'ils ont une bonne attaque parce qu'il y a toujours Drew Brees. Ils sont allés chercher des points pendant que ça avançait pas en face. Mais ça tourne mieux, ça y est, le trio de coureurs, il y a une espèce de hiérarchie qui commence à se mettre en place et du coup, c'est un peu plus clair dans leur tête à eux. Je pense que ça les aide à mieux courir. C'est quoi, Ingram, Peterson, Camara, quoi. Ouais. Mais c'est mieux que forcément les priorités d'ailleurs comme hiérarchie. Je sais pas, mais Camara plus tranchant que Peterson sur les peu de portée qu'il a. Ah oui, par rapport à Ingram, moi je pensais Ingram pas forcément premier, mais ça si, moi je trouve que... Ouais, non, Ingram je le vois premier, mais je vois plutôt Camara numéro 2. Je vois plutôt Camara. Ouais, bah, au moins il y a une hiérarchie et ils s'y tiennent plutôt que d'improviser un peu à chaque fois ce qui m'avait déplu sur le premier match. Jets 20, Dolphins 6, première victoire de la saison pour les Jets, victoire convaincante. Ils ont complètement annihilé l'attaque de Miami, 225 yards pour Jay Cutler et donc Miami. Ils ont été propres en attaque en plus. Josh McCown est à 18/23 avec 249 yards et un touchdown. Bon match pour les Jets. Oui, et petite surprise aussi parce que tout le monde voyait les Dolphins comme une équipe un peu dynamique. Bah, ils avaient bien commencé en plus. Ouais, c'est ça. Et puis tu te dis, Jay Cutler, finalement, pas si mal. Il avait fait des bonnes choses face aux Chargers. Et puis, bah, en fait, là, il se fait manger. Je tiens quand même à saluer la performance de se faire intercepter sur un fake punt. C'est très Camoulox, je trouve, comme c'est phrase. Vrai. C'est vrai. Il y a des jours. Je pensais pas que c'était possible. Je sais pas si ça a déjà été fait, une interception sur un fake punt, mais voilà, c'est fait. Donc voilà, non, mais bravo aux Jets qui, bah voilà, déjà se tranquillisent de pas faire. Tout le monde leur prédisait l'enfer, une saison à 0 victoire. Bah voilà, il y en a déjà une en semaine 3. Et là, avec ça, tu continues à construire. Tu te dis que finalement, t'es pas si nul que ça. Il y avait de la volonté, hein, ça se sentait quand même. Ouais, ils étaient à domicile, ils voulaient pas être ridicules, quoi. Et bah, ils ont réussi. Ils étaient à domicile, ils ont une défense qui a quand même bien joué, élevé son niveau de jeu. Le rookie Jamal Adams qui s'est pas mal illustré sur ce match. Un sac, 2 tacles pour perte. Enfin, tu sens que les choix de safety ont été les bons parce que l'an dernier, c'était un de leurs énormes points faibles, la paire de safety qu'ils avaient. Là, mine de rien, ça aide d'avoir des bons joueurs au fond du terrain pour, en soupape de sécurité. En attaque, bon, bah, ça a roulé de manière... ça reste pas exceptionnel, hyper convaincant, mais voilà. Au moins, Josh McCown fait le taf et permet de remporter un match. Parce que c'est pour ça que Todd Bowles l'a choisi aussi, hein, comme quarterback numéro 1. Il n'y a pas grand-chose à... Voilà, c'est une victoire bon pour leur morale, comme Raoul le disait. Et puis, bah, les Dolphins... Adam Gase a l'air désespéré. Oui, il n'a pas l'air content. Oui, mais au moins,
c'est bien, il le dit, c'est pas ouais, comme ses ouais. coachs qui après une défaite un peu nulle comme ça te dirait ah on a des choses à améliorer, on s'en fait bosser le cul. Mais Gaze, il est au moins il tient l'équipe, je pense ça c'est pas mal. Colts 31 Browns 28, running Brissett était de sortie, 2 touchdowns à la course pour Jacoby Brissett, un autre à la passe, 4 touchdowns de suite avant la pause pour eux, ils montrent des trucs intéressants hein, c'est Colts finalement et ce Jacoby Brissett, ce qui est quand même un mec qui est sorti un peu de nulle part, qui était pas forcément le mec le plus glamour à la fac et qu'on avait joué une fois l'an dernier, qui a joué une fois avec les Patriots, qui s'est créé une petite hype qui ouais, a fait plus ou moins et non, mais c'est qui a doucement fait monter sa hype, c'est une sorte d'ovni c'est un peu une sorte d'ovni Brissett, mais il s'est débrouillé. Bah, il a eu la semaine d'adaptation l'an dernier, puis là on voit son vrai niveau, je sais pas, mais en tout cas ce qu'il est capable de faire. Il a trouvé un gars sûr avec T.Y. Hilton. C'est le gars sûr de tout le monde. Ouais, ouais. Mais la semaine dernière, tu vois, ça avait pas marché. Là. Voilà, c'était son premier. Ouais. Je reste pas non plus. C'est pas transcendantal. Ils battent des Browns qui sont un peu décevants. Je pensais qu'ils pouvaient aller chercher ce match-là. Ouais. Les receveurs des Browns lâchent 8 ballons. Ouais, ce qui il y a 8 drops. Ouais, et puis et il leur manque du jeu au sol. Hein. Ils c'était leur point fort avant. Maintenant qu'ils ont un quarterback rookie en quel ils croient, ils n'ont plus de jeu au sol. Donc c'est un peu compliqué. Mais malgré 3 interceptions, ils finissent qu'à 3 points à la fin. Parce que les Colts lâchent un peu. Mais bon. Allez, Cardinals 17, Cowboys 28. Les Cards ont dominé un moment. Les Cowboys ont été plus réalistes. C'est vraiment la leçon de ce match. Dallas qui se remet dedans, Arizona qui est un peu au final dans son registre, c'est-à-dire qu'il y a des très gros coups de Larry Fitzgerald, etc. Et surtout Larry Fitzgerald d'ailleurs, etc. Ouais, c'est ça, mais derrière, bon, ils ne sont pas non plus armés pour des gros matchs sur toute la longueur, peut-être. Il va y avoir des moments où ils calent, où il y a. Phil Dawson devient inquiétant, c'est un très très bon kicker, et là il rate un 36 yards aussi, qui leur fait un peu de mal. Ouais. Mais bon, Dallas était supérieur, et en défense, ça continue. De step up, comme ça continue de step up. Je pense que le meilleur exemple, c'est Demarcus Lawrence. 3 sacks sur ce match. 3 sacks, on est déjà à 6 sacks et demi depuis le début de la saison. Ouais. Forcément, on disait que c'est un des points faibles des Cowboys, ce manque de pass rush. Finalement, ce manque depuis Demarcus Ware d'avoir un defensive lineman capable d'aller chercher 13, 14, 15 sacks cette saison. Là, vu comment est parti Demarcus Lawrence. Voilà, Rod Marinelli continue son petit truc de sorcier à faire augmenter le niveau de ses joueurs. Et ça ne peut que aider Dallas, parce qu'on savait qu'offensivement, Dak Prescott, tout ça, après un match difficile, allait quand même revenir à un niveau correct. Il a été très bon. Il a été très bon, bien sûr. Il va le chercher, finalement. Il va chercher le match, il est correct. Et si cette défense ne fait qu'augmenter son niveau, eux aussi, ils deviennent costauds, quoi. Ouais, ouais, ouais. 49ers 39, Rams 41, c'était le match du jeudi. Et quel match fun, mes amis! La vache, c'était génial! Jared Goff est à 22 sur 28, 292 yards, 3 touchdowns. Todd Gurley, 113 yards et 2 touchdowns au sol. Il en prend un aussi dans les airs. 2 touchdowns pour Sammy Watkins, dont un en se battant et sans se blesser. Quand même rare pour Sammy Watkins. Non, c'est, ouais. 66% sur 3ème tentative. Est-ce qu'il y a vraiment un espoir pour cette équipe des Rams? J'ai failli se dire de Saint-Louis. je dis ça parce que je voudrais juste que vous me dites si je m'excite pour rien ou pas, parce que je voudrais pas retomber dans tes amours des Rams pour rien au début, ça que tu dis. Tu vois, on a quand même de la nouvelle décoration, hein. On remercie Christophe. Voilà, on remercie Christophe. Je suis désolé, j'ai eu un petit trou sur le prénom, mais on remercie beaucoup Christophe qui nous a envoyé cette petite figurine de Marshall Faulk, qui est quand même une de mes idoles. Donc franchement, ça tombe hyper bien. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien faite. Hein. Voilà, donc on a Marshall Faulk qui sera toujours avec nous en plateau. C'est maintenant. Beau dans nos cœurs. Donc merci beaucoup Christophe. En plus, c'était gentil, il y avait un petit mot avec tout ça. C'était envoyé à la rédaction, donc ça nous a fait très plaisir. Et donc voilà, non mais Marshall Faulk, honoré sûrement de voir ça. Alors, je pense pas qu'on en soit à ce que disaient certains médias US, meilleure attaque depuis Gratos Schoenter, etc. chez les Rams, tu veux dire? Quoique chez les Rams, en fait, ça a été tellement mis zéro depuis que. C'est pas inconvenant de dire ça. Ça me choque pas, moi, de me dire qu'avec Jared Goff à ce niveau-là, avec. Oui, je suis pas sûr de mon mot. Non, mais c'est même, non? C'est vrai qu'il n'y a pas eu grand chose depuis Gratos Schoenter. Voilà, avec Watkins à ce niveau, avec Todd Gurley à ce niveau, avec Jared Goff à ce niveau. Bon, c'est. Bon, après, il ne faut pas se mentir. Hein. Todd Gurley ne remplacera jamais Marshall Faulk dans mon cœur. Non, mais c'est pas sûr. Warner ne sera jamais effacé par. Je vais la garder comme ça. Repose cette statuette. Sans s'enflammer, offensivement, ça joue vraiment bien. Sean McVay est en train d'apporter quelque chose. Ce petit trio de jeunes, mine de rien, parce qu'il reste jeune. Gurley et Watkins, même s'ils n'ont jamais performé au niveau qu'on attendait, ils restent jeunes. Goff est en progression. La défense.
commence progressivement à prendre le rythme. On l'a vu à Aaron Donald, il a peut-être fait le mec qui ne voulait pas jouer, sauf que le sac qui empêche les 49ers de revenir, qui clôt le match, bah, c'est lui qui, qui l'amène. Et mine de rien, ils sont en tête de cette division. Quand on voit les Seahawks, la panette que c'est offensivement. Les Cardinals, c'est pas mieux. Les Cardinals, c'est pas mieux. Les 49ers sont clairement en dessous. Mais sur ce match-là, ils font. Enfin, clairement, ils sont à deux points en dessous. Là. Ouais, sur ce match-là, ils sont pas dégoûtés. Non, mais parce qu'ils reviennent aussi. Ils font un dernier carton un peu foufou, mais les trois cartons, ils sont quand même en dessous. Ça paraît pas fou de se dire que les Rams peuvent peut-être faire un coup dans cette division. Franchement, c'était une des rares fois où j'étais devant mon écran à 4h du matin en train de me dire putain, j'ai bien fait de me lever en train de jeudi. Moi aussi, je me suis dit la même chose. J'ai regardé ce match, j'étais là. C'est pas mal. Souvent. Ça arrive pas souvent. Mais là, pour une fois, d'être debout en plein milieu de la nuit en semaine, je me suis dit. Puis les deux maillots color rush sont vraiment superbes. Alors tu vois, jaune et le noir, c'était parfait. Là. Tu vois, je me demande si j'achète pas beaucoup de maillots. C'est ce que j'allais dire. Tu vas craquer. Alors le problème, c'est qu'il faut trouver le bon joueur parce que j'ai pas envie de me balader avec un maillot où il y a marqué Donald derrière. faut pas déconner. Gurley, ouais, ou Goff. Je préfère le 16 au 30. Après, c'est des questions de chiffres. On est dans la numérologie, tout ça. Non, mais un bon vieux Marshall Faulk vintage. Pour les Niners aussi, quand même, quelques petits signes encourageants. Ouais, parce que c'est pas si horrible que ce qu'on attendait en début d'année. Carlos Hyde est vraiment fait le taf. Le jeu au sol continue de tenir. La semaine dernière, il a été incroyable. Là, il est un peu en dessous de ses stats de la semaine dernière, mais il est quand même bon. Il apporte de la sérénité et puis finalement, ça suit en attaque un peu aussi. Hein. Comme dit Raphaël, le dernier carton est foufou, mais il faut les caler tous les points. C'est une enflammade. Sur ce match-là, mais c'est pas ridicule comme ça l'a été l'an dernier. Kyle Shanahan est en train de bâtir une attaque progressivement. Il complexifie son playbook et comme on l'avait dit depuis le début de saison, je pense qu'il n'attend que la venue de Kirk Cousins l'an prochain pour avoir son quarterback. Parce qu'il ne va pas continuer avec Brian Hoyer, personne ne peut y croire. Après, ils peuvent drafter haut. Bah, du coup, ils vont se retrouver haut, mais ils vont pas forcément prendre un quarterback. T'es dans le clan des conspirationnistes, Cousins. C'est Cousins, c'est très probable. Enfin, je le vois par signer à Washington après tout ce bordel. Tu signes pas trois fois sous le franchise tag, de toute façon. Et puis après deux franchise tag, tu t'es pas respecté. Vu comment les quarterbacks peuvent monnayer actuellement, c'est sûr. Il serait fou de rester à Washington. Et puis surtout, il fait un bon début de saison, donc il va avoir des arguments sportifs. Bref, donc, en tout cas. Bon, on est déjà l'année prochaine. moi, je vais reposer Marshall Faulk, mais je suis fier et content que les Rams reviennent. Ça rappelle plein de bons souvenirs. Je pose Marshall Faulk et on passe au top et au flop. Merci Camille. Marshall est reposé. Le top de la semaine pour Raphaël, allez. Jalen Ramsey, le cornerback des Jaguars, qui avait fini sa saison de rookie l'an dernier en trombe, pas loin à mon avis de pouvoir contester le titre de rookie défensif de l'année, et qui là confirme après trois matchs qu'il est parti pour devenir un des top cornerbacks de cette ligue. Raoul. Moi, c'est la fin des matchs de 19h. Il y a eu une espèce d'enchaînement avec les Bears qui gagnent en prolongation, les Lions qui gagnent, le field goal des Eagles. Ah non, les Lions, ils gagnent pas. T'sais. Il y a eu un enchaînement le truc. Moi, j'étais censé juste faire mes résumés et puis sur le red zone, ça défilait. Donc, j'arrivais pas à regarder. Et il y a vraiment eu mais des scénarios incroyables tous à la suite, plus la victoire des Jaguars avant. Enfin, j'ai vraiment vécu un dimanche de NFL intense comme ça m'est rarement arrivé et j'ai vraiment trouvé ça cool. Mais alors je vais doubler sur le tien, mais c'est pas mon top à la base, mais il y a plein de surprises, il y a plein de gens qui nous ont dit ah, les pronostics, vous êtes mais je trouve ça génial parce qu'il y a un vrai facteur imprévisible toutes les semaines. Le côté, ça peut partir dans tous les sens, n'importe qui peut gagner. Personne n'est invincible. Les Falcons, ils passent à rien. On disait les Patriots vont écraser, ils ont plus. Au final, leur défense est quand même en grosse galère. Crée des matchs serrés. Et donc, au final, on a quand même la ligue qui est la plus fun des ligues sportives. Alors, je vais pas toutes les faire, bien sûr, quelqu'un va me dire t'as oublié la ligue de cricket d'Angleterre, du show. Je croyais que t'avais parlé du Pakistan, mais c'est pas mal au Pakistan. Mais bien sûr, il y en a d'autres. Mais dans l'ensemble, quand même, des ligues sportives professionnelles grand public, on a quand même une des plus fun parce que tout le monde peut gagner quasiment sur l'autre. Quoi. Tu regardes toujours un match en te disant il peut se passer quelque chose. Donc, ça, c'est quand même super fun. Et j'ai l'impression, quand même, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, je vais pas dire de l'incertitude, on a des favoris qui vont se détacher et on sait qu'ils vont revenir. Mais
Il y a quand même une belle transition avec des équipes qui montent, certaines qui sont un peu plus incertaines, et des anciens quarterbacks qui sont vers la fin. Enfin, voilà, Rivers, Roethlisberger, Eli Manning, Tom Brady, ça arrive vers la fin, Breeze aussi. Il y a des jeunes qui arrivent, Derek Carr, des Stafford qui n'est pas jeune mais qui est en pleine force de l'âge, Rodgers qui est en pleine force de l'âge. Enfin, c'est pas mal, il y a quand même un truc qui est vraiment bien. Il y a un niveau sympa à regarder. Il y a un bon groove. Moi, je vais dire donc mon top, c'était Tariq Cohen pour son touchdown refusé là, des Bears. C'est dommage, parce qu'on parlait du facteur avec les Jaguars, celui-là était quand même super fun, le whoop 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 whoop, j'en ai vite un autre, et celui-là était quand même bien fun, comme en plus c'était quasiment pour la victoire. Dommage qu'il soit refusé, mais c'était mon top quand même. C'était quoi, c'est un holding? Il est sorti. Mais c'est pas évident qu'il sort, pas de grand chose. Le flop de Raphaël, Les Browns, voir les Browns à 0-3, c'était pas forcément, enfin on s'y attendait, hein, mais flop parce que je pensais vraiment qu'ils pouvaient réaliser un coup face à des Colts tout pourris, quoi. Et franchement, ça m'a vraiment déçu. Je me suis dit, voilà, toujours les Browns, quoi. Enfin, Raphaël, tacle. Raoul, moi c'est Richard Sherman qui m'a beaucoup énervé. Alors bon, il prend 3 pénalités sur un jeu parce qu'il gueule sur l'arbitre. Il pète un câble, ça c'est moyen. Mais ce qui m'énerve, c'est que derrière, il risque de sortir. Camille s'énerve. Coup de casque de Camille. Non mais en fait, sur l'action, il peut facilement prendre une deuxième unsportsmanlike conduct et être exclu du jeu et pénaliser son équipe d'entrée de jeu. Et enfin, je sais pas, pour un type qui est censé, qui dit tout le temps que c'est le meilleur cornerback de la ligue, qui est intelligent comme mec, qui est particulièrement intelligent. Je pense que les remarques de Chancellor quand il dit qu'il faut qu'il reste mobilisé et qu'ils arrêtent de se chabailler, c'est pour lui. Mais là, sur ce coup-là, je l'ai trouvé. Je comprends qu'on craque, hein, ça arrive à tout le monde et il y en a plein qui le font. Mais là, sur ce coup-là, il aurait dû être un peu plus intelligent et pas se lancer comme ça sur cette action-là. Il peut se faire exclure. Enfin, je comprends pas qu'il soit pas exclure du match. Après, c'est une grosse défense. Pour se remotiver, il faut y aller un peu. Et après, le coup de casque, il met la tête un peu en bas, il tourne un peu l'épaule pour pas justement trop. Il baisse un peu la tête. C'est Mariota aussi qui baisse la tête. Vous avez vu comme il est prolongé quand on parle de Sherman. Il y a faute directe, mais sauf que quand il commence son mouvement en Sherman, il est toujours dans le terrain et Mariota est toujours dans le terrain. Donc il tourne la tête. Il sait qu'il va sortir, il y a déjà un gars sur lui. Le mec n'est pas encore en touche, t'y vas. C'est ça ton boulot. Mais il y a un défenseur sur Mariota. Mariota a déjà pris, je sais pas qui c'est. Non mais attends, c'est plus de blesser son pote que Mariota. Tu sais pas ce qu'il va faire. Son boulot. Après, c'est assez dangereux. Et c'est normal qu'il se fasse pénaliser. Oui, mais du coup, c'est là où il est dangereux pour son équipe, c'est qu'il risque de se faire exclure. Oui, mais à un moment, il faut y aller. Bon. Si ta défense est pas très bonne ce jour-là, il faut y aller. Il faut prendre des risques aussi. Hein. En tout cas, tu es prévenu la prochaine fois que tu critiques Richard Sherman, Camille, prends le micro. Il y va. Hein. Après, je vais pas le défendre sur tout le match. L'action d'avant, où il gueule, limite, ça m'a moins choqué. Voilà, c'était ça mon problème. Allez, on va laisser Richard Sherman tranquille. Moi, j'ai juste terminé avec un flop pour la pénalité infligée à Von Miller, qui est, à mon sens, une des plus ridicules de l'année, voire de la décennie, voire de toujours. Mais c'est incroyable, surtout que c'est une pénalité hyper importante qui relance Buffalo et que les arbitres s'invitent à décider le sort du match sur des débilités pareilles. Mais c'est incroyable. Il lui met un petit vent, comme tu mets à la cour de récré, quoi. T'as même plus le droit de faire ça. Je te tends la main, j'enlève. On s'en fout, quoi. Le mec est par terre. Ouais. Et surtout, Taylor, il rigole. Et on voit les images, Taylor rigole sur le truc. Bah, bien sûr. Ils rigolent tous les deux. C'est un vent. C'est un arbitre. Et moi, pour en avoir parlé avec d'autres gens, notamment de la rédaction, sur le chat ou quoi que ce soit ces derniers jours. Enfin, c'est du sport, quoi. C'est-à-dire que si les mecs peuvent plus avoir zéro émotion, peuvent plus chambrer, peuvent plus faire une blague, peuvent plus faire machin, ils font rien, quoi. Et on regarde un match avec des robots. Déjà, on nous a accepté les célébrations dans la end zone, et tant mieux, parce que je trouve que ça accorde un peu de ça. Ça met un peu plus de fun, mais là. C'est vraiment un truc. Enfin, t'as jamais fait de sport si tu trouves que c'est anormal, quoi. N'importe qui chambre n'importe qui sur un terrain de sport. Si tu veux pas battre l'adversaire, c'est que le but du sport, c'est aussi ça, quoi. Tu joues au basket avec des potes le samedi matin, tu te chambres, tu te vannes, tu fais des trucs, n'importe qui. Alors imagine des mecs qui sont payés à faire ça, qui s'entraînent 7 jours sur 7 pour faire ça, ils peuvent pas faire une blague parce qu'ils viennent de renverser un terrain. Si tu lui avais fait un doigt d'honneur et que tu l'avais mis la tête dans le sol. Surtout quand tu vois, de manière générale, les footballeurs américains sont en dehors. Enfin, il y a toujours des petits cas, mais sont en dehors des mecs plutôt calmes dans l'ensemble. Ça va, ils ont le droit de se dépenser le dimanche et de se faire des sales coups. Enfin, je pense à Von Miller. Von Miller, c'est le mec qui a offert à toutes les lignes défensives et offensives de sa conférence des bouteilles de vin à la fin de la saison pour leur dire merci pour le travail.
Enfin, ça va, les mecs, ils se trash talk et puis c'est bon. Et puis en plus, il y a une hypocrisie de la NFL qui va être de dire ah ouais, mais c'était mieux avant, les mecs étaient plus forts avant. T'as tous les consultants sur les plateaux télé, les Warren Sapp, les machins, qui vont dire à mon époque, on était des durs, etc. Bah ouais, le mec, il met un vent. C'est un truc de cours d'école en plus. C'est un truc de cours d'école, quoi. C'est hyper drôle. Ah ouais, non, pénalité. Forcément, qu'est-ce que tu veux leur demander d'être dur? Si le mec, il fait vraiment du trash talk, on va lui dire quoi? Donc bon, voilà, c'était le petit flop de la semaine. On passe à vos questions. Oui, les questions deviennent un exercice très périlleux puisqu'il faut retourner la casquette. Que Alain fait exprès de mettre à l'envers pour pas que je fasse tomber les questions. Il fait élément de décor au début. Et puis une fois qu'on tire les questions, hop, on la retourne. Voilà, mais toutes les questions sont bien cachées dedans, découpées avant l'émission. C'est vrai, avec soin. Par tes soins, avec amour. Voilà, au moins ça tourne, hein, c'est jamais les mêmes qui découpent. Oui. Raphaël, allez, vas-y, t'en as déjà une. Alors, question de Dup. Sur quelle équipe vous êtes-vous le plus trompé dans les previews? Il a mis les Giants pour l'interrogation. Ouais. Bah, de toute façon, oui, pour le moment, clairement, c'est moi qui les coupé. Giants. Hein. J'essaie de me remémorer ce que ouais. j'avais dit. C'est clairement la plus grosse déception. Les Colts, tu peux pas y dire ça parce qu'il y a le Luck, on pensait qu'il serait là. Puis même avec le Luck, on les voyait pas. Sont à 2-1, mais ils sont vraiment très en dessous. Les Panthers sont décevants. Les Ravens, on s'y attendait un peu quand même. Ouais, le genre mis non, mais les Giants, clairement, parce que je les ai choisis. Raoul. Garlouche qui nous demande, pensez-vous que le jeu NFL est trop conservateur par rapport au jeu NCAA vraiment spectaculaire? La question des formations de lineman offensif est-elle un souci? On en avait déjà un peu parlé la dernière fois. Le jeu est plus spectaculaire en NCAA, c'est vrai. Oh bah pas tout le temps. Ah non mais parce que t'as des écarts plus importants en fait. Oui, enfin quand une équipe prend le ballon et qu'elle court 50 fois de suite et qu'elle passe 600 yards au sol, j'appelle pas ça forcément spectaculaire. Ouais, je force le trait à fond. Je sais qu'il y a plein de gens qui nous regardent qui aiment bien le college football et j'en ai commenté pendant 2-3 ans. Donc il y a des matchs qui sont spectaculaires, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il y a aussi des matchs qui sont pas forcément fous. Après c'est oui, mais c'est parce qu'il y a aussi des différences de niveau qui sont plus marquées. Voilà, les très bons joueurs sont au-dessus, donc ils se baladent, donc ils peuvent faire des trucs fous. Et t'as des mecs qui en font pas leur vie et qui prennent ça un peu légèrement. Bon, bah voilà. Non, et puis encore une fois, des mecs qui arrivent en NFL après dominent du coup au niveau universitaire, donc ils peuvent faire des trucs plus fous. Et sur la ligne offensive, c'est notamment. Il y a pas mal de gens qui expliquent des gens qui jouent de plus en plus la passe. Donc. Mathématiquement, plus c'est de risques de sac, de quarterback hit. Et puis c'est ce qu'on avait dit un peu la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'est que le morphotype aussi des defensive end et des pass rushers est de plus en plus impressionnant, alors que les linemen sont et plus j'ai ou vu moins pas mal d'anciens linemen offensifs expliquer que mine de rien, le fait qu'on retire de plus en plus les contacts à l'entraînement rend plus difficile pour les linemen qui viennent de la fac et qui là se retrouvent face à des professionnels defensive end. Et du coup, le choc, le fait de ne pas pouvoir s'entraîner tout le temps en contact à l'entraînement fait qu'ils perdent aussi un peu en niveau. Mais c'est vrai que pour les jeunes, ça va être compliqué de s'y mettre quand tu découvres en match ce que c'est que contenir votre bilan. C'est ça, ouais. Alors qu'à l'entraînement, tu n'as pas pu t'entraîner correctement avec. Bonjour, Khalil Mack, enchanté. C'est ça. Sim la Mangouste, que pensez-vous des déclarations des Norman et Sherman sur Crabtree? Pourquoi disent-ils qu'il est bidon et que pensez-vous de son niveau réel à Crabtree? Parce que Norman a dit que Norman il aime bien trash talker aussi hein. Tant mieux. En fait apparemment les Raiders sont arrivés sur le terrain à l'échauffement et ont dit aux mecs des Redskins qu'ils allaient leur coller 200 yards sur le ah c'est jeune. Donc ils ont fait 13 yards à eux deux. Donc c'est un peu gênant. Mais c'est bien, mais tant mieux Norman, c'est bien d'avoir des mecs comme ça. Mais Norman c'est un bon corner. Et après Crabtree est pas un mauvais receveur mais apparemment c'était une diva depuis le début de sa carrière. Donc s'il chauffe les mecs comme ça, forcément il a des retours de bâton derrière. C'est normal. Raphaël. Karma. Alors, question de Anti. Salut la team. Alors les Rams, premier de la NFC West, playoff en vue, point d'interrogation. Moi, je vais pas oser y croire. Non, donc, il faut attendre un peu. Pour l'instant, ils n'ont pas eu une énorme adversité. Je pense pas pourquoi pas. Je suis pas sûr que Seattle, quand même, descende en dessous des Rams. Et puis, je pense, mais là, à mon avis, les wildcards vont être très accrochés en NFC Nord. Donc, pas facile. Arnaud Jets, qui nous pose une question indirectement, puisqu'en fait, c'est son fils Hugo de 6 ans qui a fait 7/16 au pronostic cette semaine. Mais je cite, c'était chaud quand même. Et donc Hugo qui nous demande, je suis supporter des Jets, vous pensez que j'aurai quel âge quand ils iront au Super Bowl? Il a 6 ans, 6 ans, ouais. Alors, je sais pas. Mais en fait, ça dépend de l'espérance de vie actuelle. Il suffit qu'il drafte le futur. Oui, ça peut aller vite. Ça peut aller tellement vite. Non, mais alors, sinon, il est aussi supporter des Raiders, il risque de devoir attendre un peu moins quand même. Que les Jets. Oui, alors. Voilà. Si on choisit plutôt les Raiders. Moi, les Raiders, je pense que s'ils font une bonne intersaison défensive l'année prochaine,
ils sont prétendants. Mmh. Ouais, surtout en AFC où il y a peut-être des places qui se libèrent. Ouais. Mmh, mmh. Après. Ah, surtout qu'il y a un moment où Brady et Roethlisberger vont partir. C'est ça. Deux ans. C'est ça. Là, on va être pas mal. Il va se passer. Peut-être qu'Andrew Luck va rejouer un jour, mais on ne sait pas. Donc, non, et après, pour répondre sur les Jets, bah, c'est un peu ce qu'on disait, c'est impossible à savoir tant qu'ils n'ont pas un quarterback. Quoi. Ouais, donc, voilà. Ça peut tourner hyper vite. Ça peut tourner hyper vite. Sylvain, nous demande, Sylvain Maillard nous dit d'abord une remarque surprenante. Les Patriots sont la pire défense en termes de points encaissés et les Rams la meilleure attaque en termes de points marqués. Quelle de ces deux stats est la plus surprenante selon vous? La défense des Pats. Ah non, l'attaque des Rams qui est numéro 1 au point quand même. Ouais, non, mais tu pouvais pas dire ça l'an dernier. Non, mais c'était pas, mais c'est pas surprenant dans le sens où c'était juste des joueurs qui jouaient en dessous de leur niveau. Enfin, on n'avait pas de certitude sur Goff au niveau de son niveau. Non, on n'en avait pas, mais moi encore une fois, je suis plus surpris pour le coup par la défense des Patriots. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu énormément de turnover et surtout, c'est censé être renforcé par l'arrivée de Gilmore qui finalement, on ne le voit pas encore. Ah, pour l'instant, oui. On ne le voit pas trop. Raphaël, question de... est moins bon. Question de RX03, pour ou contre les comités de running back? Lui, il trouve que ça casse le rythme. Les comités de running back? Bah, quand tu partages les portées, tes 2-3 coureurs. Je suis pas fan. Bah, je suis pas fan, mais tu fais avec ce que t'as. Je sais hein. pas. Moi, je. Pas ça dépend, de la, ça dépend de la composition de ton escouade de running back. Enfin, par exemple, chez les Giants, ça marchait quand même pas mal. Brandon Jacobs et Ahmad Bradshaw, c'était hyper complémentaire et partager le ballon entre les deux, c'était pas. Oui, mais là, tu vis dans la nostalgie d'un temps. Attends, les Bengals, ont fait ça à une époque aussi pas mal avec Bernard et Hill. Ça marchait pas mal. Ouais, ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux faire et de ce que tu as surtout. Non, moi, je suis Tim Peterson. Donnez-moi tous les ballons. Ouais, n'empêche que ça marchait à une époque. Bah, Ellipse Maya qui nous demande si dans 2-3 saisons, nous regardions une NFL sans Brady, sans Big Ben, sans Drew Brees, sans Eli Manning, est-ce que Rodgers ne se retrouverait pas très seul dans ce monde de QB élite? Et on embrasse Joe Flacco. Déjà, c'est insultant pour Matt Ryan. Ouais, c'est insultant pour Matt Ryan. Qui a quand même pris un titre de MVP. Donc, je veux bien que certains aient toujours du mal sur Matt Ryan. Mais enfin, quand t'es quarterback en NFL et que tu prends un titre de MVP, c'est que t'es pas en manche quand même. Matt Stafford, pour moi, sort Enfin, Matt Stafford doit prétendre, pas forcément élite tout le match, mais juste en quatrième quart-temps. Je pense que c'est son look de surfeur un peu casual qui le dessert. Ouais, c'est possible. Ouais. Il fait pas trop sérieux en fait. Ouais, c'est possible. Mais maintenant, il a pas un physique de mec déterminé qui tu vois. C'est juste une nouvelle génération de quarterback. Quoi. Oui, voilà, Rodgers, si tous ceux-ci t'épartent, il y a peu près temps aussi de meilleur. Il y a Winston qui peut faire des bonnes choses s'il arrive à trouver de la régularité. Jared Goff. Je pense qu'on dit ça en retraite de chaque grand. Case Finum. Quand Favre est parti, quand Montana est parti, quand Sylvain est parti, quand Troy Aikman est parti. Je pense que c'est un truc qui va arriver de plus en plus parce qu'on était aussi rentré dans l'ère des quarterbacks rois en termes médiatiques et que là on perd tous les premiers gros quarterbacks. Enfin, on a eu un condensé de quarterbacks très très bons pendant peu de temps et surmédiatisé. Donc ça fait cet effet là mais C'est vrai que comme tu dis avant t'avais, les quarterbacks étaient contrebalancés parce que j'ai cité des noms des Aikman etc, mais c'était contrebalancé par des Emmitt Smith, des coureurs stars. T'avais beaucoup plus de coureurs stars, Donc ça peut être aussi à tenir en compte. C'est à qui, c'est à toi ou c'est à moi? C'est à toi. En tenant compte de son âge et d'une possible fin de carrière sans suivant, peut-on considérer que la double blessure de Darren Sproles est une des pires blessures des dernières années? Avez-vous un top 3 des blessures connues par un joueur lors des dernières années? Question de style à Gaulois. Alors oui, Darren Sproles, par contre, ligament croisé et bras cassé sur la même action. Wow. C'est violent. C'est compliqué, Red. Mais en plus, c'est horrible parce que le mec tombe, il veut se tenir le genou et là, il a mal au bras en essayant de se tenir le genou et inversement, il doit plus savoir quoi faire. Quoi, ton cerveau, il explose. Après, les pires blessures, ça ferait un super papier putaclic pour un site racoleur. C'est genre les 3 pires blessures NFL. Bon, la 8e va vous horrifier. Teddy Bridgewater qui s'est mis le genou en miettes. Moi, j'avais Peterson quand il se retourne, quand il se retourne la jambe la saison juste avant le record. Ouais, mais au final, il rebondit. Il a rebondi. Alors que là, la question, c'est pire pour fin de carrière. C'était plutôt ça. Pas en tête des blessures comme qui finissent des carrières. Drew Bledsoe au final, c'est horrible. Il continue à jouer après. Ouais, mais. Il va même au Chiefs. Pas au niveau qu'il avait commencé à avoir quand même. Non, mais bon, finalement, les Patriots, ils sont gagnants. Pour l'histoire derrière où il se fait piquer. Enfin, tu vois, il se fait piquer sa place par Brady. Mais c'est quand même lui qui joue la finale de conf cette année-là. C'est vrai. Il joue la finale de conf. C'était quand même hyper. Et là, pour le coup, Belichick qui laisse Brady quand même au Super Bowl, alors que c'est Bledsoe, le vétéran, qui a gagné la finale de conf, c'est quand même un truc assez incroyable. C'est vrai. Il y a des histoires assez folles en NFL. Raphaël, allez.
Question de, d'une pierre de Coubertin. Hello, hello. Une semaine folle, mais pas au profit des pronostics. L'action la plus dingue pour vous, le field goal contré pour finalement s'arrêter à 1 yard de l'end zone, la passe improbable de Brady pour le Gronk, le field goal de 61 yards ou une autre action? Franchement, le field goal de 61 yards pour le Gronk. Ah si, en tombant comme ça, là, et en la... Ouais. Tom Brady qui tombe et qui la lance juste avant de toucher le sol. Ouais. Pour moi, le field goal de 61 yards qui donne la victoire, c'est quand même une action assez incroyable. Ouais, à regarder avec la musique de Titanic, hein, c'est toujours très important. Raoul. The Manant qui nous demande, à notre avis, quel sera le prochain animal célébratif d'Odell Beckham? Le chat, et il va faire ses griffes dans le coin de la end zone. Ah bah voilà. Le castor, construire un barrage de rondins en bois dans la end zone. Ah oui, ce serait bien ça. Le coq, voilà, imaginez à votre tour le prochain animal qui mettra Odell Beckham. Le castor, j'aime bien l'idée. Qu'est-ce qu'il y a comme animal à New York? Comment il peut trouver des... Mais ouais, il y a un truc à faire. Je sais pas, il prend ses copains. Il ronge les chambres de ses potes et puis il les empile, tu sais. Ce serait un truc. Ça pourrait être pas mal. Question de Dirty Fighter sur la gestion de quarterback des Browns. Kaiser a de loin la pire rivale de la ligue. L'an dernier, Kessler avait montré des belles choses avant de se blesser. Mieux que Kaiser et Hogan ont montré jusqu'à présent. Comment se fait-il qu'il soit relégué en quarterback 3? Les Browns ne feraient-ils pas mieux de l'installer quarterback 1 si les matchs suivants confirment que DeShone Kaiser n'est rien de plus qu'un nouveau Brady Quinn, le QB pas bon drafté par les Browns formé à Notre-Dame il y a 10 ans? Quoi. Brady Quinn qui était attendu très haut, qui avait attendu très longtemps dans la Green Room, si je me rappelle bien. Ouais, c'est une des premières drafts que j'avais regardé. C'est celle où il y a Jamarcus Russell, je crois, qui est pris. Décidément. Donc, moi je fais confiance à Hugh Jackson. C'est très tôt pour dire si c'est un bust, hein, honnêtement. J'ai pas la stat en tête, hein, mais Peyton Manning gagne quoi 2 matchs sur sa première saison et il lance énormément d'interceptions. Il y a un moment il faut construire l'avenir et tu peux pas changer tes quarterbacks tout le temps. Je pense que si Hogan n'est pas Kessler a eu sa chance au final. Je pense que si Kessler et Hogan sont sur le banc, c'est que les coachs les voient jouer tous les jours. On se dit pareil, cela dit, avec les Texans au début de la saison et puis finalement. Ouais, mais la différence c'est que Watson, il l'avait pas vu jouer. On savait ce qu'on avait. Ouais, c'est vrai. Donc allez, une dernière chacun. Allez, une dernière chacun. Allez, très très vite. Question de Fidel Gastro. Les Jaguars doivent-ils définitivement déménager à Londres pour espérer devenir une bonne franchise? Yes. Allez, moi je les veux à Londres, je veux une équipe. Pourquoi à Londres. Pas Thierry Kerr, que va-t-il se passer au poste de quarterback chez les Vikings? Parce que si Bridgewater revient avec un genou biomécanique, que Bradford revient avec un autre genou du même style et que Keenum continue des matchs comme celui de dimanche, qu'est-ce qu'on fait? On met 3 QB titulaires sur le terrain. Bradford 1, Keenum 2, Bridgewater continue de reprendre le rythme doucement en étant l'effectif. Moi je pense qu'il faut laisser Bradford titulaire. Keenum, c'est pas une enflammade, mais c'est Bradford. Et puis Chris The Old One, hello, on a encore vu beaucoup de rouge à LA ce dimanche. Est-ce que le stub-up pourrait être tout noir pour le match contre les Raiders? Et plus sérieusement, les Chargers, peuvent-ils redéménager? Merci à vous. C'est la rumeur la plus incroyable de la semaine. Moi, j'adore. S'ils reviennent, je reviens. S'ils reviennent, j'arrête tout. Tu redeviens supporter des Chargers. Je suis fan de San Diego. S'il revient, il n'y a pas de raison. Ce serait quand même le move le plus genre. C'est ridicule pour la ligue. Non, mais ça ferait passer Dean Spanos pour une espèce de égoïste lubique. C'est pour ça que je suis pas sûr que ce soit fait parce que ça serait assez ridicule. Après, qu'est-ce qui vaut mieux, t'enfoncer dans la bêtise ou réaliser? Ils ont 3 ans à passer dans un stade de 30 000 places qu'ils n'arrivent pas à remplir. Et qu'ils remplissent avec des adversaires. C'est quand même. Ce serait une histoire incroyable. On les fait revenir 2 ans à San Diego et on les fait repartir quand le nouveau stade est construit. Qu'ils reviennent la queue entre les jambes comme ça à San Diego, ce serait. Mais non, mais en fait, c'était vachement bien, San Diego. Ce serait assez magique. Mais ça mettrait le maire de la ville pour une fois en position de force. Ça mettrait une ville pour. Enfin, c'est vrai. En disant, les gars, vous voulez revenir dans un stade rempli, on va reparler un peu des taxes et tout ça. Ce serait bien que pour une fois, ce soit la ville qui fasse cracher les propriétaires. On va parler un petit peu du match du jeudi très brièvement, messieurs. Packers-Bears, les Packers ont gagné 12 des 14 derniers matchs. Sur le papier, ils sont plutôt au-dessus, même s'ils n'ont que le 29e jeu au sol de la ligue. Je ne sais pas pourquoi. Tiens, Ty Montgomery serait toujours leur coureur. 35 yards, je crois, sur le dernier match. 29e jeu au sol, les Bears ont le 8e. Est-ce que Chicago peut encore tenter de faire ce qu'ils ont fait contre les Steelers, c'est-à-dire pilonner au sol? C'est ce que j'allais te dire, Tu sors la même réponse. Tenter ça en même temps. Ouais. Ils n'ont pas vraiment le choix dans leur game plan. Il faut y aller par le sol, c'est leur point fort. Il faut espérer bloquer Aaron Rodgers. C'est ce qu'ils vont essayer de faire. Est-ce qu'ils vont réussir? C'est une autre. Le pronostic, Packers pour tout le monde, quoi. ouais.
Mais tu sais que c'est les plus vieilles oppositions de la Ligue. Il y a 93 partout et 6 matchs nuls. Je dirais que c'est même la plus vieille, à mon avis. C'est probablement la plus vieille. Ouais. J'ai dit une des, oui, pardon. C'est, je pense on la plus termine, messieurs, avec le tout milieu de drill. Je suis désolé, l'iPad n'est pas. La tablette n'est pas chargée. Et du coup, on doit faire la musique nous-mêmes. Mais promis, je vais remettre l'iPad. Messieurs, Blake Bortles, on arrête tout. Blake Bortles ne sait pas qui est Freddie Mercury. Est-ce que ça confirme qu'il est le pire quarterback de la Terre? Je ne ferai même pas d'autres questions dans ce tout minute. Je suis trop choqué. J'ai pas vraiment de mots pour ça. Mais peut-être qu'il a pas compris. T'as vu la réponse en plus? Non, mais je pense que ça doit être une bonne chanson. Mais c'est. Ouais. Mais il est passé à... Non, mais il a pas compris, je pense. Il a entendu Freddie Mercury. Comment tu peux être. Non mais c'est même pas un manque de culture là. Comme, je sais pas, c'est comme si tu savais pas qui est Michael Jackson quoi. Ouais, non mais c'est quasiment. Ou John Lennon. John Lennon, voilà. La différence elle est simple. Hein. Michael Jackson il est américain. John Lennon, il est anglais et il a un groupe. Surtout que c'est pas pour faire du délit de faciès, mais Bortles a la tête de l'écouteur de country. Voilà quoi. Enfin, je pense qu'il est plus. Camille a un argument. Après, peut-être qu'il connaît Queen, mais pas forcément le Freddie Mercury. C'est peut-être aussi. Après, je me suis permis de le mettre dans le papier. Peut-être qu'il n'a simplement jamais entendu We Are the Champions, puisqu'il a joué à Central Florida et à Jacksonville. Donc, peut-être que ça peut expliquer ça aussi. Bon, voilà, après, non, mais je sais pas, vous avez des souvenirs comme ça de gens qui vous ont tué, genre, je connais pas tel truc. On en a pas eu dans la rédaction. Récemment, j'ai fait les vendanges et il y a un gars qui ne connaissait pas Metallica, mais qui savait même pas que c'était un groupe. Metallica, quand même. Dingue d'avoir jamais entendu. Non, mais de nom, tu connais pas forcément une chanson ou quoi, mais tu ne dis Metallica, c'est quoi? Ouais, quand même. C'est chelou quand même. Oh, Metallica, c'est un nom. Je sais pas, moi ça m'avait choqué. Voilà, de pas connaître de nom, ouais, c'est quand même, même sans avoir entendu, tu vois, je lui demande pas de citer un titre, mais c'est quand même un nom de la culture populaire. Mettez dans les commentaires si vous ne connaissez pas Metallica. Bon, allez, c'est comme ça que se termine l'épisode 194 du podcast J'en Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview des matchs du week-end, les cotes, les pronostics, tout ça. Dimanche dans le fauteuil, bien sûr. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café qui a son petit bandeau en bas, normalement. N'oubliez pas les soirées NFL, c'est tous les dimanches à 19h au Hard Rock. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, bien sûr. N'hésitez pas, on a battu l'objectif loyer cette semaine. Yeah, bravo, on peut rester. Merci beaucoup à vous. Merci. Donc le loyer est payé. On aura une émission dans ces mêmes locaux là, le mois prochain. Voilà, c'est d'un mois sur l'autre. On est sauvés. On est comme ça. Et le prochain objectif, c'est financer les voyages. C'est pour tous ceux qui partent à Londres, etc. Pour travailler, bien sûr. Évidemment, bah, bien sûr. TDActu.com, @TDActu sur Twitter, @Raphaël_TDA, Camille Saraben, @RaoulVDG, Alain Mattei. On vous rappelle toute l'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. On vous souhaite une très bonne semaine à tous. On vous laisse avec notre générique, bien sûr, dans lequel vous verrez apparaître aussi nos derniers soutiens. Tipeee, merci beaucoup, bonne semaine, ciao ciao.